Bien. Ok, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Boko Ezekias. Je suis vice-manager de JDJ Bassam. Bon, je suis associé de cadre d'ingénieur et je suis responsable du département DevOps chez AD Group. Je suis aussi mentor de Google Africa Developers. Bon, bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de PWA Builder. Donc, PWA Builder, d'abord, c'est un outil qui a été conçu par Microsoft et qui permet aux développeurs de faire du PWA sans pour autant toucher au code. Donc, c'est un moyen de faire facilement des PWA. Maintenant, c'est quoi un PWA? PWA, c'est une application. C'est une application web progressive qui a pour objectif de permettre aux applications web, aux sites web, d'utiliser les mêmes fonctionnalités, les mêmes API qui sont utilisées dans les applications natives. Donc, quand vous avez un PWA sur un Android, il peut utiliser les mêmes fonctionnalités que les applications natives Android. Quand vous avez un PWA sur un ordinateur de bureau, il peut utiliser les mêmes fonctionnalités et puis les mêmes API que les applications de bureau. Même chose pour les télévisions, parce qu'il y a aussi des applications pour les TV. Donc, il est aussi capable de s'adapter, d'où le nom progressif. Donc, c'est une application web d'abord, puis il est progressif, il progresse. Puis au fur et à mesure, il avance, il avance, il avance. Et puis, sur toutes les plateformes, il est là. Et puis, il est capable d'utiliser les ressources de, comment on appelle ça même, des équipements qui sont sur lesquels il tourne plutôt. Voilà. Il est capable d'utiliser les API des équipements sur lesquels il tourne. OK. Donc, sans plus tarder, on ne va pas beaucoup discuter de ce que c'est qu'un PWA. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais d'abord parler des PWA et puis après, on va attaquer le côté technique. Excusez-moi, excusez-moi. OK, donc comme vous pouvez le voir, il y a le Still While Revalidate. La validation. Revalidation plutôt. Donc, à quoi ça sert ce schéma-là? Je vous explique très simple. Ça, c'est un mode de fonctionnement des PWA. Donc, vous avez votre page web qui se trouve ici. Donc, lorsque vous faites la demande d'une page web, excusez-moi, je vais tousser. Ok, je suis de retour. Donc, quand vous avez votre page web qui est ici, donc quand vous voulez accéder à une page web, vous tapez la requête dans votre navigateur. Donc, qu'est-ce qui se passe en premier avec cette stratégie-là? Donc, si vous utilisez cette stratégie-là, en première position, la page web va aller dans le service worker. Bon, déjà, pour ne pas que vous soyez perturbé par ce thème, on va approfondir cela plus tard, mais je tiens à préciser que le PWA est constitué de deux choses. Quand vous prenez un PWA, il y a deux choses. Il y a le manifeste et puis il y a le service worker. Le manifeste, c'est le fichier dans lequel on définit les caractéristiques de notre application. Donc, tout ce que notre application a comme caractéristique, on met ça dans le manifeste. Maintenant, dans le service worker, c'est là-bas qu'on définit maintenant genre, les fichiers qu'on veut stocker. Parce que le service worker, c'est un serveur. C'est comme un serveur. C'est un petit serveur qui est là, dans lequel vous stockez, genre vous définissez, voilà, dans lequel vous définissez au niveau de ce serveur-là les fichiers à stocker, comment les stocker. C'est à ça que c'est le service worker. Donc, c'est d'abord, vous mettez votre code pour dire, OK, stocke-moi tel fichier de mon site web. Et puis, voici la manière dont il doit stocker. Maintenant, c'est la manière dont on stocke dans le service worker. C'est ça que je suis en train de vous expliquer actuellement. Donc, il y a le Still While Revalidate. Donc, quand vous utilisez cette stratégie-là, premièrement, quand vous venez, il y a vous lancez la requête de la page web. Une fois que vous avez lancé la requête, la page, une fois que vous avez demandé à accéder à la page, le navigateur va d'abord au niveau du service worker pour chercher les fichiers dont vous avez besoin pour afficher votre page. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un site web, c'est HTML, il y a les fichiers HTML, CSS, il y a des images, il y a du JavaScript,
Il y a aussi d'autres fichiers aussi et tout ça. Donc, quand vous devez accéder à une page, tous les fichiers dont vous avez besoin pour accéder à cette page-là sont stockés quelque part. Donc, pour pouvoir avoir accès à ces fichiers, le navigateur, lui, va d'abord dans les services worker. Et puis, il demande au service worker, ah, est-ce que tu n'as pas tel fichier pour moi? Parce que lui, il a besoin de ces fichiers-là plutôt pour afficher la page que vous lui avez demandé. Donc, quand il demande au service worker s'il n'a pas ces fichiers, si le service worker a ces fichiers-là, il donne. Si le service worker n'a pas ces fichiers-là, excusez-moi. Si. Excusez-moi. Ah. Quand il fait la demande au service worker, le service worker, lui, il va dire, OK, le gars, il veut une page. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit il va chercher la page dans le cache, dans le fichier qui est la mémoire cache plutôt, voilà. C'est ça la mémoire. Excusez-moi, je confondais le service worker avec la mémoire cache. Il ne faut pas confondre le service worker avec la mémoire cache. Le service worker, lui, c'est là-bas on définit, genre, c'est le serveur qui gère nos requêtes. C'est-à-dire, quand tu viens accéder à une page, tu envoies la requête vers le service worker. Puis c'est en fonction de ce que tu veux, lui, maintenant, il va te rediriger. Donc, excusez-moi. Donc, les données en question sont stockées dans la mémoire cache. Maintenant, comme vous le voyez, quand on vient au niveau du service worker, il va d'abord le numéro 2 au niveau du cache. Quand il vient au niveau du cache, il va chercher les fichiers dont vous avez besoin pour afficher votre site. Donc, c'est à ça que ça sert. Maintenant, vous allez voir, il y a le numéro 3 qui est ici. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Cette stratégie-là dit quoi? Lorsque on veut servir une page à une personne, c'est celui qui est le plus rapide, c'est ça qu'on prend. Donc, quand le service worker il arrive, il fait une demande comment on appelle ça, à la mémoire cache. Et puis, il fait une demande au réseau. C'est celui qui arrive en première position, c'est ça, il sait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si c'est le cache, la mémoire cache qui répond plus vite que le réseau, donc il va servir le contenu de la mémoire cache à l'utilisateur. Si c'est le réseau qui répond plus vite, il va servir le contenu qui a été envoyé depuis le réseau. Le réseau, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire des serveurs même qui exécutent votre site web. Parce que le service worker, lui, il est dans votre navigateur, il est à l'intérieur de votre navigateur, il n'est pas sur votre serveur. Donc, quand lui reçoit la requête, lui va chercher sur le plus rapide. Donc, il va envoyer le message plutôt à la mémoire cache pour lui demander les données. Puis, il va envoyer le message, c'est-à-dire à votre serveur web. C'est ça qui est le réseau ici, à votre serveur web pour lui demander aussi les données. Si la mémoire cache, qui n'est rien d'autre qu'une mémoire qui se trouve au niveau de votre navigateur, il répond plus vite, c'est le résultat là qu'il envoie à celui qui s'est connecté, celui qui a demandé la page. Maintenant, si c'est le réseau qui répond plus vite plutôt, c'est le contenu du réseau qui va envoyer à celui qui a demandé le contenu de la page. Maintenant, une fois qu'il a servi ces contenus-là, quand c'est le cache, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le réseau, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il est allé chercher dans le cache et que genre, le cache ne lui a pas répondu, c'est-à-dire, soit il n'a pas vite répondu. Or, c'est très rare de voir que le cache n'a pas envie de répondre et que c'est le réseau qui a été plus rapide. Ça, c'est très rare. En tout cas, chez nous ici, c'est très rare. Peut-être ceux qui ont la fibre optique, ça peut arriver. Si, par exemple, comment on appelle ça, le navigateur consomme beaucoup de ressources et que ça dérègle, et pas ça dérègle, mais ça déconne, voilà. Donc, s'il y a des problèmes de bug, si l'appareil aussi n'est pas. Un appareil, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, si ce n'est pas aussi performant que ça, donc il peut arriver que le cache soit en retard par rapport au réseau. Sinon, la plupart du temps, le cache est toujours rapide. Parce que lui, il est dans le navigateur. Or, le réseau, lui, il faut qu'on communique avec le serveur pour recevoir les données. Donc, c'est peut-être dans les pays développés où il y a la fibre optique, où il y a le haut débit, la 5G, tout ça, que le cache peut aller plus vite et le réseau plutôt peut aller plus vite que le cache. Sinon, normalement, c'est le cache qui répond plus vite. Donc, comme je disais, quand c'est le réseau qui répond plus vite, qu'est-ce qui se passe? On sous-entend que dans la mémoire cache, l'information n'y est pas. Comme je vous ai dit, la mémoire cache, il est à l'intérieur, donc il est censé répondre plus vite. Donc, s'il ne répond pas, c'est comme si genre, l'information qu'on lui a demandée n'y est pas. Donc, le réseau, puisque c'est le réseau qui a envoyé l'information,
Et puis, la page s'est affichée, vu qu'on a besoin d'afficher la page pour l'utilisateur, quelle que soit la méthode utilisée. Une fois que le réseau a servi la page, il va maintenant stocker les fichiers qui manquaient pour afficher la page qu'on est parti chercher sur le réseau là, c'est-à-dire sur le serveur web lui-même. Ces fichiers-là seront stockés dans le cache de telle sorte que lorsque l'utilisateur va arriver une prochaine fois, au lieu d'aller encore sur le réseau, on va partir directement pour ça dans le cache. Donc, c'est à ça que sert cette méthode-là. C'est une manière de stocker, de fonctionner du PWA en fait, de stocker les fichiers du PWA. Et comme j'ai dit, le service worker, c'est un fichier JavaScript. Et à l'intérieur de ce fichier-là, vous allez définir la manière dont votre service, votre Progressive Web Apps va agir quand il s'agit de quand il est question plutôt d'aller chercher un fichier. Donc, c'est au niveau du service worker, vous définissez à quand tu veux aller chercher tel ou tel fichier, voici comment procéder. S'il faut aller chercher dans le cache d'abord ou bien s'il faut aller chercher sur le réseau d'abord. Donc, c'est à ce niveau-là que vous définissez. Maintenant, la mémoire cache, c'est une mémoire qui se trouve au niveau de votre navigateur qui stocke les fichiers de votre site web de telle sorte que même si l'utilisateur n'est pas connecté à Internet, il peut accéder à votre site web. Maintenant, le réseau, lui, c'est le serveur web qui supporte votre site web. Au cas où la mémoire cache ne répond pas ou il y a un problème au niveau du service worker, le navigateur va directement communiquer avec votre serveur web. Donc, l'objectif ici, comme il y a un monsieur, il y a un participant qui l'a demandé tout à l'heure, j'ai oublié le nom. Vous avez demandé si on peut accéder à un progressive web app sans connexion. Oui, on peut accéder parce que les données sont stockées dans le cache. Les données sont stockées dans le cache. C'est à ça que c'est les progressive web apps. Donc, c'est rare de voir quelqu'un faire un progressive web app et puis il n'a pas stocké ses données dans le cache. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que l'application fonctionne sans la connexion Internet. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Je veux voir. Est-ce que je suis seul? Allô? Questions? Bon, moi, pour l'instant, pas de question. Et pour la dame? La demoiselle. Question? Parce qu'il faudrait. Ok, pas de question. Ok. Ok, je reviens. Ok. Donc, on est là. Maintenant, on va voir la stratégie cache first. À quoi sert la stratégie cache first? Comme son nom l'indique, c'est-à-dire, il va chercher d'abord dans le cache. Donc, contrairement à l'autre stratégie, on a vu. C'est-à-dire, celui qui est ici, celui qu'on a vu tout à l'heure, lui, c'est le premier arrivé ici, celui qui répond le plus vite, celui qui est chap-chap, comme on le dit dans notre langage, c'est lui d'abord qu'on envoie. Si c'est le cache qui répond plus vite, il envoie le contenu. Si c'est le réseau qui répond plus vite, il envoie le contenu. Donc, comme je vous ai dit, le cache répond plus vite normalement que le réseau. Ça, c'est normal. C'est ce qui est normal. Maintenant, il peut arriver si l'appareil même qui est où il y a le site web, genre peut-être c'est un appareil qui n'est pas aussi performant que ça, et puis ça rame les trucs du genre comme ça. Donc, si la mémoire a un problème, c'est le réseau qui s'en charge. Sinon, comme vous pouvez le voir sur le schéma, c'est le 3 d'abord. Ils ont fait 1 dans le service 1, ça va vers le service worker. 2, le cache. 3, c'est-à-dire le 3, on répond, on envoie le contenu du cache à la page. Puis 4, maintenant, ça va vers le réseau. C'est-à-dire, on suppose qu'on va d'abord dans le cache, on cherche et puis on affiche, vu que c'est le cache qui est le plus rapide. Maintenant, comme j'ai dit, si le matériel est défaillant, ça peut arriver que la mémoire cache ne répond pas, surtout avec Chrome qui consomme beaucoup de ressources. Donc, si la machine aussi n'est pas aussi performante que ça peut arriver. Sinon, c'est très rare, super rare. OK, cache first. Ici, comme il est écrit, c'est la mémoire cache qui répond en première position. Donc, lorsque vous faites votre demande, vous voulez accéder à une page web, le service worker, lui, il va d'abord chercher dans le cache. Lui, il va d'abord dans la mémoire cache. C'est ce qui a été défini à son niveau. On lui dit cache first, va dans la mémoire cache et puis envoie-moi les contenus de la page. Donc, il va et puis il cherche dans la mémoire cache. S'il ne trouve pas dans la mémoire cache, il va maintenant sur Internet et puis
il va renvoyer le contenu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il va d'abord dans la mémoire cache. C'est là-bas d'abord, il va d'abord dans la mémoire cache. Il ne va pas sur le réseau pour aller chercher quelque chose. Donc, même si vous n'êtes pas connecté là, là, ça passe. Tant que le fichier est dans votre mémoire cache, il répond. Donc, il va d'abord dans la mémoire cache qui se trouve au niveau du navigateur. Il cherche les fichiers dont vous avez besoin pour afficher votre page et puis il vous les renvoie. S'il ne trouve pas les fichiers, il va sur Internet, c'est-à-dire sur votre serveur web, pour aller chercher les fichiers et puis il va vous renvoyer. C'est à ça que c'est le cache first. Vous avez vu la différence avec le premier. Le premier, c'est qu'on envoie la requête à Internet et puis au cache. Le premier qui répond, on sait. Et puis, si l'information n'est pas dans la mémoire cache, on actualise. Mais par contre, ici, on va d'abord dans la mémoire cache plutôt. Donc, c'est là-bas on va. On va dans la mémoire cache. Puis, c'est si on ne trouve pas qu'on va sur le réseau. Or, contrairement au premier, on envoie la requête au deux. Le premier qui répond, c'est ça, on sait. Or, ici, on va d'abord dans le cache. Et puis, si on ne trouve pas, on va maintenant sur le réseau. Maintenant, il y a une troisième méthode qu'on appelle le network first. Ici, hein, on peut dire que c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le cache first. Donc ici, d'abord, quand vous faites votre demande, il va d'abord sur Internet pour chercher, pour voir le contenu dont vous avez besoin pour afficher la page. S'il n'arrive pas à accéder au fichier dont vous avez besoin pour afficher la page, c'est-à-dire le contenu de la page, il va maintenant chercher dans la mémoire cache. Donc, ici, il va d'abord sur Internet, c'est-à-dire sur le serveur qui héberge votre site web. S'il ne trouve pas, ou bien, voilà, s'il ne trouve pas, parce que là, on lui dit d'abord, va chercher sur le réseau. C'est s'il ne trouve pas, il va dans la mémoire cache. Ou si c'est lent, si ça prend trop de temps à envoyer les fichiers, il va dans la mémoire cache pour chercher, puis il revient. Maintenant, tout ça, c'est du code. Hein. Tout ce que je dis là, c'est-à-dire si tous les sites que je dis là, tout ça, vous mettez ça dans votre code. Et c'est ça qui reste au niveau du service worker. C'est-à-dire le serveur qu'on appelle le service worker ou bien SW, abréviation. Vous allez voir souvent les gens, ils ont l'habitude de mettre SW. SW.js, souvent, c'est le service worker. Donc, c'est tout ce que je dis depuis là, c'est-à-dire si ça, on trouve, on ne trouve pas, tout ça, c'est ça, vous mettez dans votre fichier JS. Et c'est ça qui constitue votre service worker. Et c'est ça qui est le petit serveur qui est dans votre navigateur et qui permet genre à votre site web de fonctionner sans connexion Internet. Maintenant, nous allons voir le network online. Donc ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Là, dit, il n'y a pas de mémoire cache. Vous communiquez directement avec Internet. Tu as besoin de quelque chose, tu vas vers Internet, puis tu te renvoies le contenu après. Comme j'ai dit, hein, n'oubliez pas, le service worker, il ne stocke pas de données, c'est dans la mémoire cache. Le service worker, lui, c'est juste, il contient juste les paramètres, la manière de fonctionner de votre serveur local, si on peut le dire ainsi. Le service worker, c'est un serveur local. Maintenant, sa manière de fonctionner, on met ça dans un fichier JS et puis paf, ça va. Maintenant, il y a le cache online. Bon, le cache online, bon, c'est rare. Hein? Bon, je n'ai pas encore vu quelqu'un utiliser, mais bon. On ne va pas dire que c'est quasi impossible. Mais si vous avez un site web et que vous devez mettre à jour votre site web, là, c'est vraiment compliqué. C'est comme si c'est un site statique. Si par exemple, c'est un site web statique, hein, qui ne va pas changer, quelque chose qui va se passer, ça ne va pas changer et tout et tout. Vous pouvez faire un truc comme ça, où à chaque fois, il va juste chercher les informations dans la mémoire cache. Seulement, il ne va pas tuer la chaîne Internet. Mais bon, comme j'ai dit, c'est rare. Donc, voilà un peu les stratégies de stockage de fichiers hein, au niveau des PWA. Donc, c'est les stratégies des PWA que je viens de vous présenter. Est-ce qu'il y a des questions? Okay, moi, j'ai une question. Bon, oui. Pas une question, mais c'est pour une clarification. Ici, il y a le service worker. Si je comprends bien, si je suppose qu'on a l'application dans notre téléphone. Oui. Lorsqu'on ouvre l'application, ça va chercher le site. Oui. Bon, ça fait comme si on envoie une requête vers le site web. Oui. Non.
Lorsque le site web va nous répondre, il va nous répondre en passant par le service worker. Non. Le service worker, il revient plus. Non, on ne répond plus en passant par le service worker. Comme vous pouvez le voir sur les images, vous voyez ici, par exemple, il envoie une demande. Ça va vers le service worker. Le service worker, lui, il utilise cette méthode-là. Donc, la méthode-là dit quoi? La requête qu'on m'a envoyée là, j'envoie ça, Google. j'envoie ça ici, c'est-à-dire sur, comment on appelle ça même? Il va faire une demande au niveau de la mémoire cache, puis il fait aussi une demande au niveau du réseau. Maintenant, le résultat trouvé là, c'est ça, il renvoie. C'est-à-dire, on ne revient plus au niveau du service worker. C'est-à-dire, tu as fait ta demande. C'est parti au niveau du service worker. Maintenant, tu as besoin, pour afficher une page web, on a besoin du contenu, c'est-à-dire des fichiers, que ce soit HTML, CSS, JavaScript et tout ça. Maintenant, toi, tu fais ta demande. Lui, il envoie à la mémoire cache ou au réseau. Enfin, parce que c'est la méthode qui est ici, là. C'est ce que ça dit. Une fois les contenus, celui qui donne la réponse, premièrement, c'est sa réponse qui est envoyée à l'utilisateur qui a fait sa demande. Donc, on ne revient plus au niveau du service worker. Lui, on lui pose juste une question. On dit, nous, on veut telle chose. Puis, il dit, OK, vous voulez telle chose. Puis, lui, il envoie à la mémoire cache et puis au réseau. Ah, il y a la personne là, il veut telle chose. Envoyez-lui ça. Puis, s'ils ont ça, ils envoient à la personne. Ils passent plus, ils reviennent plus au niveau du service worker. Ils envoient directement à la personne. Maintenant, le service Ok, worker. mais OK. l'adaptation sous forme d'application, qui fait ça? Ou bien c'est pas son niveau? L'adaptation sous forme d'application. C'est-à-dire pour transformer le site web en application mobile, c'est ça? Ou bien en Windows, en application Windows. C'est ça? Oui. Ah non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. En fait, je vous explique juste le Ok. fonctionnement, c'est-à-dire la manière dont les PWA fonctionnent. D'accord. Et puis, comme j'ai dit, il y a deux Donc, choses. Il y a le manifeste et puis il y a le service worker. Le service worker, c'est là où vous allez définir vos stratégies. Et c'est les stratégies qu'on vient de voir. Maintenant, il y a le manifeste où vous allez définir les caractéristiques de votre application ainsi que d'autres fonctionnalités. On va voir tout cela. d'accord. Donc ici, on utilise les deux ensemble, Service Worker plus Manifest. Oui, voilà. C'est les deux choses qui constituent un PWA. Quand vous entendez parler de PWA, il faut penser en même temps qu'il y a un manifeste et puis un service worker. Ça, il n'y a rien à dire. D'accord. Donc, le Service Worker est plus là pour envoyer les requêtes, quoi. Oh oui, voilà, c'est comme un serveur. Comme j'ai Ok. dit là, c'est un serveur. C'est comme un Ok. serveur. C'est comme un serveur web. Quand tu envoies les requêtes à un serveur web, qu'est-ce qu'il fait? Il traite ta requête et puis il t'envoie le résultat ou bien. C'est ça. Quand tu lui envoies une requête là, lui traite ta requête. Maintenant, vu que ce n'est pas lui qui a les résultats là, il va chercher les résultats et puis il t'envoie. C'est ce que lui fait. C'est son travail qui est là. Est-ce que ça... Ah, ok. Ok. Dans le cas où le cache ne répond pas, il faut être connecté à Internet dans le premier cas. Oui, justement. Ouais, dans le premier cas, c'est-à-dire ce cas-là. Si le cache ne répond pas, il faut que vous soyez connecté à Internet. Ouais, l'information n'est pas stockée dans le cache et puis le site web tente d'accéder à ça pour afficher le contenu à l'utilisateur et que l'utilisateur même n'est pas connecté sur Internet, il ne pourra pas accéder au fichier. Donc, peut-être que c'est le CSS qui manque, peut-être que c'est l'image qui manque, mais peut-être que c'est un fichier JS qui manque. Mais comme les fichiers HTML, CSS et puis JavaScript sont des fichiers, tiens, c'est facile de les stocker, ça ne pèse pas beaucoup. Donc, eux, ils sont souvent là. C'est souvent les images qui manquent. Donc, la plupart du temps, c'est le site qui s'affiche avec les images qui ne sont pas là. La plupart du temps. En tout cas, c'est ce qu'on voit souvent. C'est les fichiers qui pèsent beaucoup là. C'est souvent ces fichiers-là. Parce que pour stocker ces fichiers dans le cache, ça prend du temps. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez sur un site web qui est un Progressive Web Apps, tous les fichiers ne sont pas stockés d'un coup. C'est la page que vous avez visitée en allant sur ce site web-là. C'est les fichiers de cette page-là. C'est-à-dire les fichiers dont cette page-là a besoin pour s'afficher là. Ce sont ces fichiers qui vont se stocker d'abord.
dans votre, comment on appelle ça, dans la mémoire cache de votre navigateur. Donc, c'est ces fichiers-là d'abord qui vont venir s'installer. Maintenant, il faut que vous allez sur d'autres, comment on appelle ça même, comment je peux le dire, que vous allez sur d'autres pages du site web pour stocker aussi les autres fichiers dont le site web a besoin pour afficher les autres pages. Là, si par exemple, vous allez sur un site web, premièrement, vous allez sur la page, par exemple, accueil. Il va stocker les fichiers dont il a besoin pour afficher la page accueil. C'est ça, il va stocker. Maintenant, si vous n'allez pas sur d'autres pages, quand l'utilisateur il va venir là, quand il va vouloir aller sur les autres pages, il ne pourra pas. C'est seulement la page d'accueil et il aura seulement accès à la page d'accueil. Maintenant, comme c'est vous qui définissez votre stratégie, vous pouvez dire, OK, quand quelqu'un vient sur mon site web là, il faut stocker tous les fichiers de mon site web là dans sa mémoire cache. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais toujours est-il que le stockage, ça se fait de façon progressive. Parce qu'il ne stocke pas les données d'un coup. Au fur et à mesure, si c'est un site que vous avez l'habitude d'utiliser, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous commencez par utiliser, vous utilisez. Au bout d'une semaine, presque tous les fichiers du site web sont stockés dans le cachet. Vous n'avez plus besoin d'Internet pour accéder aux gens, pour accéder au site web. C'est-à-dire que si ça a besoin de se connecter à Internet, c'est peut-être pour faire une mise à jour en arrière-plan. Ce n'est pas comme les applications mobiles ou bien Windows. Quand tu veux faire mise à jour, tu vas dans le store pour aller faire mise à jour. Non, là, ça ne se passe pas comme ça. La mise à jour, ça se fait en arrière-plan. Toi-même, tu ne sais pas que ça fait la mise à jour. Ça fait partie des avantages des PWA. OK, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai répondu à votre question? OK, super. OK, donc aujourd'hui, on est là pour parler de PWA Builder. Bon, PWA Builder, c'est moi, mais j'ai écrit l'article, mais j'ai écrit ça en anglais. Parce que souvent, quand on écrit les articles en français, les gens n'aiment pas trop lire. En tout cas, on n'a pas beaucoup d'audience. OK, donc c'est un article que j'ai écrit pour l'outil PWA Builder qui a été créé par Microsoft. Donc, j'écris souvent des articles pour eux. Donc, voilà un peu le PWA Builder. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais d'abord cliquer ici. Je vous envoie le lien. Ce qui serait intéressant. Pour moi, mais quand je vais développer, je ne sais pas, est-ce que vous êtes, tout le monde est développeur ici? Parce que moi, je vais faire mes trucs vraiment costauds. Je n'utilise pas PWA Builder. En tout cas, quand c'est costaud, j'utilise pas PWA Builder. Moi-même, j'écris mon service worker. Est-ce qu'il y a tout le monde est développeur? Pour moi, oui. J'attends la réponse de la nouvelle. Vu que c'est pour la première fois, elle participe à l'une de nos sessions. Est-ce que vous êtes développeuse? J'attends la réponse. Ah, OK, apprenante. OK, ça marche. OK. Donc comme je disais, PWA Builder, c'est un outil pour faciliter la tâche à ceux-là qui ne sont pas trop gens, qui n'ont pas envie de coder à fond. C'est un peu comme, on peut dire le WordPress, hein, on peut dire comme ça, le WordPress des PWA. Mais tu n'as pas envie d'écrire le code. Donc, il génère le code pour toi et puis tu mets dans ton application puis tu avances. C'est un truc du genre comme ça. Donc, c'est ça en fait. OK, mais donc, ici, on veut utiliser PWA Builder. Comment on fait? On passe par quel outil? Voilà. On utilise... J'allais en parler. On utilise Workbox. Workbox, c'est l'outil de Google même. Et puis, PWA, en arrière-plan, utilise les outils de Google. C'est-à-dire, non, comme j'ai dit, c'est un peu comme un WordPress. Donc, c'est pour ne pas se fatiguer. Donc, eux, ils ont utilisé Workbox, qui est un outil de Google, pour travailler. Ils ont utilisé ça dans leur application. Donc, les fichiers qu'ils génèrent là, ça contient la bibliothèque. Et Workbox, c'est une bibliothèque qui permet de faire du progressive web apps. Donc, eux, j'utilise cette bibliothèque là pour générer les fichiers dont vous avez besoin. Donc, ils vous donnent les fichiers. Allez-y, mettez ça dans votre code, ça passe. Or, Workbox, c'est toi-même, tu écris le code. C'est une bibliothèque, c'est une bibliothèque JavaScript. Donc, tu fais appel aux éléments de la bibliothèque pour écrire ton code. C'est ça, moi-même, j'utilise pour travailler. Sinon, PWA Builder, c'est pour aller vite. Maintenant, par exemple, pour transformer, bon, bref, on va y arriver. Je ne vais pas tout dire maintenant. OK, PWA Builder,
ça permet de générer, hein, ça permet de générer des APK pour les applications Android. Donc, si tu finis de faire ton site web, tu vas sur PWA, tu mets le lien, on va voir ça tout à l'heure. Il te sort l'APK Android que tu peux mettre sur Google Play Store directement de ton application. Il génère aussi l'APP pour Microsoft Store, met ça dans le store de Microsoft. Il génère aussi le package pour Galaxy Store pour les Samsung. Puis, il y a aussi le package pour les ordinateurs macOS. Donc, c'est ça qui fait la puissance même de, comment on appelle ça, de PWA Builder. C'est ce côté-là que moi, j'aime beaucoup. Parce que pour ce que j'ai dit, c'est-à-dire pour mettre en place ton service worker et tout, si tu es développeur, c'est mieux. Tu vas écrire le code même pour dire, voici comment je veux que les choses se passent. Donc, tu écris ton fichier JavaScript. Bon, moi, je ne suis pas fou en JavaScript. Hein. Je ne suis pas fou en JavaScript. D'ailleurs, c'est maintenant que j'ai commencé JavaScript. Je faisais du PWA bien avant de commencer JavaScript. Sinon, je ne suis pas gay même. Je dis que vous êtes plus gay que moi-même dans JavaScript là. Mais moi-même, c'est maintenant que j'ai commencé, mais les béaba. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez faire du Progressive Web Apps sans maîtriser JavaScript, alors que le code même est en JavaScript. Il suffit juste de savoir comment ça fonctionne, comment on l'utilise. C'est tout. Il suffit juste de savoir lire le code, c'est tout. Puis il y a une documentation qui est là pour vous indiquer comment faire, c'est tout. Sinon, vous n'avez pas besoin d'être bon en JavaScript. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous-même écrire, c'est-à-dire, au lieu d'utiliser par exemple la bibliothèque Workbox de Google, ou utiliser les outils qui sont déjà là pour faire votre PWA, vous pouvez vous-même écrire votre propre bibliothèque en JavaScript. C'est-à-dire, c'est vous-même, vous avez écrit votre propre bibliothèque, puis vous utilisez ça à l'intérieur de votre code. Là, si vous voulez, même vous êtes trop fâché, même bah, vous n'écrivez pas genre, un fichier, c'est-à-dire, vous ne développez pas une bibliothèque, mais plutôt, vous faites tout à la main, c'est-à-dire, vous écrivez tout avec du JavaScript. Bon, il y a les développeurs, ils le font, hein. Mais moi, je préfère utiliser la bibliothèque Workbox de Google. Comme je vous ai dit, je ne suis pas fou en JavaScript. Donc, j'utilise ce qui existe déjà et puis je travaille pour avancer. OK. Donc, on va voir, comme j'ai dit, il y a deux choses. Le manifeste. Donc, on va voir ici comment générer un manifeste avec PWA Builder. Donc, je vais vous envoyer le lien. Ils ont un outil. Pour ceux qui utilisent Visual Studio Code, donc vous pouvez installer le plugin sur Visual Studio Code. Ça, c'est mon éditeur préféré. C'est ça, j'utilise pour travailler. Bon, bref, il s'affiche. Donc, je vais vous envoyer le lien pour l'extension PWA Builder. Bon, sans vous mentir, l'extension n'est pas aussi stable que ça. Ah, OK. DocBoss. C'est pas DocBoss. Attendez, je vais vous donner les ressources. Bon, ce qu'on va faire, comme la séance parle de PWA Builder, sinon normalement pour parler de Workbox, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Hein. Mais ce que je vais vous donner les liens pour aller voir sur Workbox. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner, c'est Workbox, c'est-à-dire Work, travail en anglais, puis Boss. Workbox, je mets le nom. Ça, c'est le truc là, Google. Je vais taper Workbox. Workbox, voilà. Ça vient. Voilà. C'est Workbox. Voici Workbox. Voilà. C'est ça, Workbox. Voilà, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. C'est ça que j'utilise pour travailler. Quand il s'agit de définir les stratégies, moi, c'est ça que j'utilise. Je ne peux pas autre chose que ça. Voilà. Je viens de vous envoyer le lien de Workbox. Donc, comme je disais, oh, mon PC est en train de déconner. Donc, OK, donc, voici, moi, j'ai déjà installé ça. Vous pouvez installer PWA Builder. Maintenant, on revient ici. Une fois que vous avez l'éditeur, vous avez deux manières de faire. Soit vous utilisez au niveau de votre, comment on appelle ça même, votre Visual Studio Code. Maintenant, si vous avez un autre éditeur, vous pouvez le faire aussi en ligne. Je vais vous envoyer aussi le lien de ça. Bon, est-ce que c'est bon d'envoyer le lien? C'est mieux, je vais vous envoyer le lien de l'article même. Voilà, vous avez le lien même. Donc, il y a tous les liens là-bas. Il y a aussi le générateur du fichier manifeste qui est disponible en ligne. Soit vous le faites en ligne, soit vous le faites directement à partir de Visual Studio Code. Maintenant, pour le faire à partir de Visual Studio Code, je viens ici.
et dans View, commande palette. Ah, mon PC, il déconne. J'ai pas l'habitude, mais bon. Ok, enfin. PWA. Ah non, c'est pas qui. Ok, PWA. Donc, vous voyez, PWA généré manifeste. Donc, vous cliquez dessus. Il va vous afficher une page pour générer le manifeste. Bon, comme je disais, c'est un outil qui n'est pas stable. Ça a été créé par... C'est une dame qui a fait ça. C'est une dame qui a fait ça. Elle était stagiaire chez Microsoft. Donc, c'est au cours de son stage qu'elle a développé l'extension-là. Mais depuis lors, il n'y a pas eu genre des améliorations concernant cela. Je sais pas s'il y a eu des améliorations, mais vu la version 0.03, je pense pas qu'il y ait eu des améliorations. C'est un stage, c'est micro du temps. Ça tourne. Je reviens ici. On va utiliser le générateur en ligne. Ah, lui aussi, il prend du temps. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Ah, on dirait aujourd'hui, c'est pas la joie. Hein. Question. Mais, au niveau du module, tu envoies seulement pour Visual Studio Code et pour les autres éditeurs. Ah oh, ouais, tu envoies la Non, il n'y en a pas. Ouais, okay. C'est à cause de ça, je préfère utiliser le générateur en ligne. Là, c'est mieux. Là, même le Visual Studio Code, ça décode. Ouais. Ok, voilà, enfin, il est venu. Hein. Ça n'a pas été facile. Ok, comme j'ai dit, il y a des trucs qui n'ont pas ajouté parce qu'il y a eu d'autres fonctionnalités hein, pour les PWA. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire à la fin. Regardez les shots, les screenshots. Ok, on va commencer par les détails que vous voyez ici. Pour faire plus de trucs là, est-ce que c'est le projet du cas que j'ai lancé? Non, je n'ai pas lancé. Je vais ouvrir un projet ici. Le projet du DSIN site. J'aime bien utiliser ça pour faire les démonstrations. Ok. La dernière fois, j'ai fait une mise à jour. Ok. Communauté, DSN site, website. Ok. Oh, ça va partir. Donc, vous voyez, le site même, ça tourne depuis, ça ne vient pas. Donc, je préfère vous le dire en même temps. Vous pouvez être confronté à ce genre de problème parce que par le passé, bon, c'est un outil qui est. Ce n'est pas si nouveau que ça, hein. Mais il y a souvent quelques trucs là, il y a souvent des erreurs. Parfois, tu fais des trucs, ça ne passe pas. Mais bon, la bonne nouvelle est que l'équipe de Microsoft qui est derrière, ils travaillent jour et nuit pour que ça fonctionne correctement. On va attendre que ça va s'afficher. Donc, on vient ici. On va voir ici, name. Le name, c'est le nom de l'application. C'est-à-dire, par exemple, il y a PWA Bell 2, Google Meet, ou bien Google Doc. Le nom de votre application tout court. Donc, on va mettre essai. Donc, vous voyez à côté, automatiquement, il vous met le fichier. C'est quand vous n'avez pas envie de faire, vous n'avez pas envie de travailler, d'écrire beaucoup de choses. On va mettre le nom. Voilà. Le nom de notre session. Bon, bref. On va mettre essai. Par exemple, essai. PWA. Ok. Je vais voir s'il n'y a pas de questions. Ok, ça peut aller. Ok, essai PWA Builder. Maintenant, c'est quoi le short code? Le short code, c'est le short name plutôt. Le short name, c'est le nom raccourci. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous venez, bon, je vais vous montrer l'écran de mon ordinateur.
Ici, par exemple, j'ai beaucoup de progressifs web apps sur mon ordinateur. Outlook, Office, quoi encore? Progressive Web Apps, PWA Builder que vous voyez ici, Web.dev, Google Dev, Google Cloud, Google Developer, Community Lead Generator Logo. Tout ça, c'est des PWA. Google Photo, Google Chat, tout ça, c'est des PWA. Google Drive, Google Juice. Donc, tout ça, c'est des PWA. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Donc, le short name, c'est quoi? C'est-à-dire que ici, s'il n'y a pas assez d'espace pour écrire votre nom, et le nom de votre application plutôt, c'est-à-dire ici, tu vois le excusez-moi, vous voyez le nom qui est ici, le nom qui est ici là, s'il n'y a pas assez d'espace pour écrire ce nom là sur que ce soit le téléphone, l'ordinateur ou bien autre objet, même la télévision, les télévisions connectées, s'il n'y a pas assez d'espace pour écrire ce nom là, donc on met le short name. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, peut-être le short name, vous pouvez mettre Acer, PWA. Un nom qui est court. On peut mettre Acer, PWA. Bon, la plupart du temps, les gens aiment bien coller ça. C'est-à-dire, quand c'est long ici, ils collent ça en bas. Ce qui est sûr, si le nom est trop long, il va prendre celui qui est ici. Donc, c'est une manière de dire, si le nom de mon application ne peut pas s'afficher sur l'appareil de la personne, là, prends le nom qui est court là. Maintenant, il y a la description de votre application, c'est-à-dire ce à quoi votre application sert. Si par exemple, c'est un site d'e-commerce, vous allez dire, c'est un site d'e-commerce où on vend les objets, si c'est, on vend la tomate, la banane, tout ce que vous voulez. Donc ici, vous allez décrire votre application, c'est-à-dire le contenu de votre application pour montrer à l'utilisateur à quoi sert votre application. On va essayer de faire un semblant ici. Bon, je vais copier ce qui est ici, puis je vais remettre là. Vous avez vu, vous avez vu ici, description est sortie. Donc, ça, on est en train de former notre fichier manifeste. Maintenant, il y a un autre truc que je dois vous dire sur les manifestes après. Ça concerne l'extension des fichier manifeste, je vais le dire après. Maintenant, ici, il y a start URL. Start URL, c'est quoi? C'est-à-dire, quand la personne va lancer votre application, là, la page qui doit s'afficher en première position, là, c'est ça qui est là. La plupart du temps, c'est la page d'accueil. Donc, quand tu vas sur ici, c'est la page d'accueil. Donc, comme je le disais, c'est le contenu de cette page-là ou bien les fichiers dont cette page-là a besoin pour fonctionner là. C'est ça qui est le plus stocké et qui est le plus gardé. Parce que quand le gars, il vient là, quand l'utilisateur, il vient, c'est-à-dire la page qu'on doit lui afficher, qu'on doit lui afficher plutôt en première position, là, c'est le lien de cette page-là que vous mettez ici. Maintenant, si vous voulez que ça soit votre fichier, votre page d'accueil plutôt, vous mettez slash. C'est beau. Vous mettez slash pour dire c'est votre page d'accueil. Bon, la plupart du temps, la page d'accueil, c'est index. .html. Maintenant, c'est le nom du fichier, ça peut changer. Maintenant, pour faire court, pour faire raccourci, vous mettez slash pour dire que, pour dire, comment on appelle ça même? Au navigateur que, bon, je veux que ça soit ma page d'accueil qui s'affiche en première position. Donc, c'est à ça que ça sert. Maintenant, on a fini cette partie. On vient ici. Vous avez vu ici, ils ont mis image. Maintenant, comme tout ce qu'il y a comme application, les applications ont besoin de, comment on appelle ça même, en mesure d'image, d'icône. Donc, comme vous le voyez ici, les PWA qui sont sur mon écran, l'icône qui apparaît là que je vois, par exemple, pour Drive, l'icône que je vois là, c'est qu'est-ce que je peux ouvrir pour vous montrer un test, par exemple, Google, ça, il veut ouvrir, par exemple. C'est un PWA que vous voyez là. C'est un PWA qui est sur mon ordinateur que vous voyez là. Même. Ça aussi, c'est un PWA, c'est-à-dire PWA Builder, j'ai généré son PWA et puis c'est sur mon ordinateur, ça fonctionne correctement. OK. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'icône hein, sur lequel j'ai cliqué ici, qui m'a permis d'afficher ça, c'est cette icône-là, hein, c'est ça qui est ici.
C'est-à-dire, ils ont mis upload à peu près. Et donc, il va vous générer, hein. Vous allez uploader, choisir un fichier dans l'icône que vous voulez, on va prendre l'icône là, NG. Prendre... Ok, bon, ça, j'aime pas trop lancer ça parce que la chaque fois que j'essaie, ça passe pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est ma connexion, mais si c'est le site web. Mais depuis que j'ai commencé par utiliser PVA Builder, cette partie-là, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, j'utilise d'autres sites pour générer mes fichiers. Bon, espérons que pour aujourd'hui, ça va marcher. Mais vu qu'on est pris par le temps, on ne va pas attendre. Je vais faire ça. Okay. Donc, ici, vous avez généré des screenshots. Les screenshots, c'est quoi? Les screenshots, c'est ce qui s'affiche. C'est-à-dire, quand je vais cliquer sur. Comment j'appelle ça? On va faire un exemple. Bon, ça, c'est URL que ça met. Bon, comme c'est l'ordinateur, donc c'est un peu bizarre. Si c'était sur les téléphones, j'allais mieux vous expliquer ça. Et voici si ça fait. Vous voyez l'écran, il est noir ici quand j'ai lancé. C'est quand le site va s'afficher, quand le site sera chargé, qu'il va m'afficher le contenu. Voilà. Maintenant, l'image que vous voulez qui va s'afficher en attendant qu'il charge le contenu là. Voilà, c'est ça qui est les screenshots là. C'est ça les screenshots. Maintenant, ici, je crois. Ils ont dit de spécifier l'URL pour générer les screenshots. Bon, ici, c'est à partir des URL, ils génèrent les screenshots. Sinon, vous pouvez le faire vous-même à la main. Bon, comme c'est en ligne, ça demande les URL. On va voir la deuxième partie qui est fonctionnalité approfondie. Voilà, ici. Il y a App Scope. App Scope, c'est quoi? App Scope, c'est. Comment dirais-je? Le répertoire, voilà. C'est le répertoire dans lequel se trouve votre site web. Si votre site web est à la racine, vous allez mettre slash. Maintenant, si votre site web n'est pas à la racine, vous pouvez mettre par exemple, on va prendre un exemple très simple. On va pas prendre accueil, mais on va prendre quoi déjà? On prend une société de banque. Voilà, vitrine. Voilà. Souvent, il y a les sites vitrine, puis il y a le site même. Voilà, supposons c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le PWA n'a accès qu'au contenu de ce répertoire-là. Donc, si même vous avez un grand répertoire où il y a les fichiers de tout votre site web, si le site web est composé de plusieurs compartiments, peut-être il y a le site vitrine, il y a d'autres applications, tout ça. Donc, le PWA ou bien les fichiers qui seront stockés dans le cache, c'est juste les fichiers qui sont dans le répertoire vitrine. Donc, vous définissez le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers de votre site web. Donc, il n'a accès qu'au répertoire vitrine. Si c'est juste, genre, si tout le contenu de votre site web se trouve à la racine, vous mettez juste l'H. Mais si c'est dans un répertoire donné, vous allez spécifier le répertoire. Maintenant, ici, il y a display. Display, il y a plusieurs types. Il y a full screen, il y a standalone, il y a minimal UI. Minimum UI, bon, si vous voulez faire du PWA, vous voulez que votre application ressemble à, comment dirais-je, à
une application mobile, je ne vous conseille pas d'utiliser. Parce qu'il garde la trace de lui. En gros, il affiche l'URL. Or, lorsqu'il se comporte comme les applications natives, par un site web où on voit l'URL. Maintenant, il y a le standalone. Le standalone, c'est quoi? C'est-à-dire, il fonctionne comme une application normale. Mais ça, c'est plus pour les Android. C'est qu'il faut l'URL. C'est comme du standalone, mais cette fois-ci, ouais, souvent sur les téléphones là, on ne voit pas la barre de. Comment je vais vous expliquer ça. On ne voit pas la barre de. Là où tout, la partie où on met le réseau, c'est-à-dire le réseau, la batterie, l'heure, ou quand souvent vous avez les notifications, on met les logos de Twitter, Facebook, tout ça, ou bien on met les alarmes, tout ça. Donc, cette petite barre qui se trouve en haut au niveau de votre téléphone là, où ils affichent tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire la batterie, le réseau, l'heure, tout ça là. C'est-à-dire, il prend toute cette partie-là. Donc, il n'y a que votre application qui s'affiche. Donc, sur l'écran là, on voit seulement votre application. Même la barre qui est en haut là, même on ne voit plus. Où on affiche le réseau, tout ça, on ne voit plus. C'est ça qui est full screen. Mais standalone, c'est ce qui est normal. C'est-à-dire, on voit l'étude de réseau en haut, le réseau, tout ça, la batterie et tout. Donc, vous allez choisir. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous voyez, il écrit ça dans le fichier. Puis, à la fin, il vous donne le fichier. Maintenant, ici, il y a orientation. Any. Any, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous mettez ça sur Any, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez ça sur votre téléphone là, vous tournez ça dans n'importe quel sens, le genre, l'application, le site web, il tourne. Vous tournez ça à droite, il est penché. Vous tournez ça à droite aussi, il est penché. Et comment je vais dire ça même? Soit il est droit, soit il est sur, votre site web est sur la verticale, soit c'est sur l'horizontale. C'est ce que ça veut dire. Donc quand vous tournez en fonction de comment votre site web tourne, il prend l'aspect et tout. Naturel, c'est ce qui est naturel. Portrait, c'est ce qui se fait. Portrait, c'est-à-dire, c'est la présentation normale, hein, la ligne droite. Ce qui est vertical, voilà. Donc, ça s'affiche de façon verticale. C'est ça qui est normal. Maintenant, il y a aussi les autres paramètres. Bon, il y a d'autres. Il y a portrait primaire, portrait secondaire. Bon, sans vous mentir, c'est pas trop. À quoi les primaires, à quoi ça sert? Je n'ai pas encore testé. Ça doit être nouveau. Bon, après ça, bon, on doit choisir naturel. Maintenant, il y a le langage de votre site web. Si votre site web est en anglais, en français, vous allez choisir le langage. Bon, on n'est pas en anglais, on est en français, on est French. Donc, votre site web est en français. Maintenant, il y a le background color. Le background color, c'est quoi? Je vais revenir ici pour relancer en espérant que ça va beaucoup aider. Mais c'est vraiment dommage que je n'ai pas de téléphone ici pour tester. Vous voyez, quand je lance l'écran qui s'affiche là, vous voyez la couleur là. C'est ça le background color. La couleur qui s'affiche, c'est ça qui est le background color. Si on avait mis notre image screen, ou bien splash screen. Screenshot et puis splash screen, ils font à peu près la même chose. Sauf que c'est le nom qui n'est pas le même. Splash screen, c'est des écrans animés. Hein? C'est-à-dire, quand tu lances ton application comme ça sur le téléphone là, ça va afficher genre une page où il y a l'image. Maintenant, quand tu lances et puis c'est l'image qui est là et puis tu attends, c'est pas trop bon. Or, quand c'est un truc qui est animé façon, par exemple, peut-être un petit jeu ou bien un petit truc pour te distraire en attendant que ça charge la page, un truc qui est animé façon, c'est ça les splash screen, voilà. Écran splash. Il y a ça aussi sur les PWA que vous pouvez ajouter. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, il y a des trucs qui ne sont pas là. Donc, je vous ai montré le background color. Le background color, c'est la couleur d'arrière-plan
quand vous lancez le site web sur votre téléphone, la couleur qui est en arrière-plan avant, qui est en arrière-plan de votre logo, pas avant, qui est en arrière-plan, qui est derrière votre logo. Donc, il y a votre logo qui est au milieu, puis la couleur qui prend le reste de la surface, c'est ça qui est background color. Maintenant, il y a encore un autre truc, mais ça, c'est pas ici. Donc, comme vous pouvez le voir vous-même, tout ce qu'il y a comme fonctionnalité qu'on peut mettre dans un fichier manifeste ne se trouve pas sur le site web de PWA Build. Comme je suis là pour vous parler de ça, je vais vous mettre sur le site ça, navigateur, donc plus besoin de. Aller directement sur PWA Build là-bas. Donc, si vous n'avez pas envie de lancer ça, donc vous finissez de mettre les détails comme je l'ai dit. Sous forme de fichier zip que je voulais vous montrer. Ça, c'est un projet sélectif. Si vous remarquez ici, c'est un fichier .json. Les fonctionnalités qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, fichier manifeste.json, c'est un fichier JSON. Or, le fichier ici que vous voyez, c'est-à-dire le fichier .webmanifest, c'est à la fois un fichier JSON et un fichier manifeste. Bon, il n'y a pas grande différence entre les deux. Les deux fonctionnent correctement de la même manière, que ce soit à JSON ou manifesto. C'est juste cet aspect-là qui change. L'autre, c'est juste un fichier JSON. Ici, c'est en plus d'être un fichier JSON, c'est un fichier manifeste. C'est juste une manière de dire que c'est du manifeste, c'est tout. Il n'y a pas une grande différence. Parce que la dernière fois, je suis parti sur le site de W3C, puis j'ai dit fatigué, mais il n'y a pas de différence. La différence, c'est à ce niveau-là. L'autre, c'est juste un JSON. Si, en plus, les JSON, c'est aussi manifeste. C'est tout. Maintenant, ici, comme vous pouvez le voir, quand vous regardez ce qu'on a généré ici, vous voyez ce qu'on a fait ici, par exemple. C'est petit comparé à ce qu'il y a dans moi, mon fichier qui est ici. Moi, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Maintenant, on va voir les parties qui n'ont pas été développées de l'autre côté. On va voir ça, même si on n'est pas là. Pour ça, on est là juste pour voir PWA Builder, mais on va aller en profondeur ici. Ok, donc ici, j'ai parlé de name, c'est le nom de l'application qui s'affiche. Short name, c'est quand le nom est trop long. GSM, c'est Google Cloud Messaging. C'est l'idée. Si par exemple, vous utilisez Cloud Messaging de Firebase dans votre application, donc vous allez déclarer ici juste l'idée. C'est tout. C'est juste pour déclarer l'idée quand vous utilisez Google Cloud Messaging, qui n'est rien d'autre que Cloud Messaging qui est sur Firebase. Pour pouvoir envoyer des requêtes, c'est-à-dire des notifications push. Souvent, vous êtes là et puis vous allez recevoir une notification push de Twitter. On vous dit, il y a un artiste qui a fait sortir un truc là-bas. Là. Ou bien, on vous signale que il y a à qui la faute qui est passée à la télévision, un truc du genre comme ça. Des notifications push. Maintenant, il y a Theme Color. Theme Color, c'est si on est. Ok, le Theme Color, je vais vous montrer. Ça, c'est un PWA. Hein. Le Theme Color, c'est la couleur qui est en haut ici. Vous voyez ici, ils ont mis Online Code Editor for Web, tout ça. Donc, la couleur arrière-plan là, c'est ça qui est le Theme Color. Si je viens par exemple ici, vous voyez ici, c'est du bleu. C'est ça le Theme Color. Sur les téléphones, c'est la couleur qui prend le haut. Quand vous allez sur un site web, par exemple, vous allez voir souvent la couleur du haut de votre téléphone, ça change. À partir où on met le réseau, on met la batterie, tout ça. Vous allez voir, la couleur, ça change. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas si je peux ouvrir ma caméra, vous montrer un peu. Excusez-moi, avec mon téléphone, si c'est possible. Je sais pas si vous voyez. Euh, euh, euh.
Essayer, hein, mais c'est pas évident. C'est la partie où il y a cette partie, la thème couleur. C'est la couleur du thème que vous utilisez. Il y a background color. Background color, c'est quand vous lancez l'application. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'icône. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez faire de sorte que l'image qui s'affiche soit différente de l'icône. Bien sûr, l'image qui va s'afficher quand vous allez lancer l'application. Derrière l'image, il y aura une couleur. C'est ça qui est background color. Ici, comme on a vu, toi, display, c'est-à-dire, comment on dit, l'écran, la manière dont l'écran va s'afficher. Standalone, on a vu tout à l'heure, c'est juste pour dire ça fonctionne normalement comme les applications. Si vous voulez, vous pouvez mettre full screen ou bien minimal UI. Ça dépend de vous. Orientation, j'ai mis portrait ici, comme je vous ai dit, ça sera à la verticale. Or, si vous mettez l'autre là, il va tourner avec votre téléphone. Ici, il y avait, voilà, landscape. C'est pour dire que, quelle que soit la manière dont la personne va tenir son téléphone, ça sera toujours sur l'horizontale. Votre site va s'afficher genre sur l'horizontale. Maintenant, voilà, c'est ça que c'est landscape. Portrait, c'est normal. Ce qui est normal. Ok, je reviens sur mon code. Maintenant, il y a le scope qui est là. Le scope, c'est pour dire, ok, voici le répertoire. Hein, c'est les fichiers de tel répertoire qu'on doit voir. C'est à ça que tu as accès. À part ça, tu peux plus avoir accès à autre répertoire. Ici, il y a description. Hein, c'est la description. Ici, il y a le langage. Ici, il y a dit qui est auto. Ça, c'est. Bon, comment je vais vous expliquer ça? Je vais y revenir dessus là après. On va continuer. Related application, c'est-à-dire, on prend un exemple très simple. Vous avez votre site web qui fonctionne correctement. Mais en plus de ça, vous avez l'application du site web qui est sur Google Store. Donc ici, vous choisissez la plateforme, c'est-à-dire, non. Si par exemple, ici, moi, j'ai choisi Web App pour dire que. Si l'utilisateur, il est sur Android, en train d'utiliser mon application Android, on n'a qu'à lui signaler que, genre, s'il veut vraiment avoir une meilleure expérience de mon application, il n'a qu'à utiliser la plateforme web. Donc ici, vous pouvez remplacer la plateforme par Android, par exemple, et vous mettez le lien URL de votre application Android. Donc si, par exemple, c'était Android qui est ici, là, quand vous serez sur le site web, en train de naviguer sur le site web qui est un Progressive Web Apps, on va vous envoyer un message pour dire, ah, tu utilises le programme Web Apps. Or, tu as l'application Android même qui est sur ta machine. C'est mieux d'utiliser l'application Android. Donc, c'est une manière de dire. Et qui soit mis ou bien la première qui a l'expérience, vous allez le définir. Et excusez-moi. Ok. Voilà. Ici, j'ai mis préféré relative application. Donc, ici, j'ai mis quoi? J'ai défini l'application. Ici, j'ai mis relative true. True là, c'est pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure là. Donc, le true, c'est pour dire ok, je préfère la plateforme web. Ici, j'ai défini hein, l'application. Et puis, j'ai dit en bas ici, c'est ça que je préfère. C'est-à-dire, je préfère le web. J'ai mis true. Si j'avais mis false, il ne va pas tenir compte de ça. Comme j'ai mis true, quand l'utilisateur il sera sur Android, peut-être en train d'utiliser mon application, on va lui envoyer un message pour dire le propriétaire de l'application préfère que vous utilisiez le site web à la place de l'Android. Pour avoir une meilleure expérience. Peut-être que l'application Android n'est pas à jour, tout ça là. Donc ici, comme ils ont mis, vous pouvez définir, comme vous pouvez le voir, c'est un tableau. Hein, donc vous pouvez définir, par exemple, de la même manière, j'ai mis une plateforme web, tout ça. Vous pouvez ajouter encore, vous pouvez mettre, par exemple, virgule. Ouais, ça a mis en erreur. OK. Voilà. Donc vous pouvez définir notre plateforme, par exemple. Vous pouvez mettre, par exemple, plateforme. Vous pouvez mettre, par exemple,
Android, si vous voulez. Android. Vous pouvez définir plusieurs. Si par exemple c'est sur web, sur Android et tout ça. Mais c'est ici là, la partie préférée là. Préférée que Related Application là. Si vous définissez tout ce que vous avez comme application, il va préférer tout ce qui est dans ce contenu là. Maintenant, si vous voulez préférer un seul, que ce soit le web ou bien l'Android, vous mettez le seul là et puis vous mettez préfère que Related Application trouve, puis vous validez. Je vais revenir en arrière. Bon, je vais bousiller le code. Maintenant, il y a catégorie. Catégorie, c'est juste pour dire que votre site web fait partie de quelle catégorie de site web? Si par exemple, c'est un site web d'organisation, un site web d'éducation, un site web d'e-commerce, c'est ici que vous allez définir ça. Maintenant, il y a les shortcuts. Ça, c'est mon préféré. C'est comme les raccourcis. Oh, j'ai fait une démonstration sur mon téléphone avec mon Android. Bon, si c'est possible, je peux envoyer ça dans mon drive et puis on va voir ça ensemble. Mais je peux vous faire la démonstration ici sur Windows. OK, je vais utiliser mon navigateur. Excusez-moi, pour aller sur un site web que j'ai développé avec le PWA. OK. Non, PWA, je mets ici. Non, voilà. DSUNCity. OK, DSUNCity. Voilà. Ça, c'est le site web du DSUNCity Developer Student Club, dont je suis le responsable. C'est moi, j'ai travaillé sur le site web. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un bouton qui s'affiche où on me demande d'installer DSUNCity. Si vous ne voyez pas le bouton, vous pouvez cliquer sur les trois boutons. Vous allez voir ici. Application, installer DSUNCity. Je clique sur installer. Vous voyez, il m'affiche. Et puis, la nouveauté, c'est quoi? De la même manière que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif, c'est de faire en sorte que les sites web arrivent à utiliser les mêmes fonctionnalités que les applications natives. Mais ici, vous voyez, ils ont mis démarrer l'application lorsque vous connectez à l'ordinateur. C'est-à-dire, dès que tu allumes ton PC là, automatiquement, l'application se démarre. Comme uTorrent, par exemple. Par défaut, uTorrent, là, quand tu installes là, quand tu lances ton ordinateur, quand tu allumes ton ordinateur, il s'affiche. Au départ. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, désormais, les PWA ont cette fonctionnalité-là qui, il y a longtemps, qui était destinée aux applications natives. C'est seulement les applications natives qui pouvaient le faire. Maintenant, les PWA, c'est-à-dire les sites web, ont accès à cet API-là de Windows qui permet de le faire. Donc, on installe. Voilà, j'ai installé mon application. Vous voyez, j'ai installé mon application. Je vais redimensionner. Je vais agrandir. OK. Les shortcuts que vous avez vu là-bas, là, c'est ça, en fait. Je clique droit. Vous voyez ici, il y a les tâches. Maintenant, quand je vais cliquer, vous voyez tout ce que j'ai lancé ici, à part lui, je le ferme. Tout ça, c'est des PWA. Mais quand je clique ici, je clique droit. Vous voyez, on voit juste le logo épinglé à la barre de tâches, fermer la fenêtre. Par contre, ici, quand je fais, on voit quoi? Tâches. Donc, c'est des raccourcis, en fait, opportunités, technologies, événements, ateliers, cours gratuits. Voici, je clique, ça ouvre une autre fenêtre avec juste la partie événements. Et ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, je ferme tout, je viens ici par exemple, je veux par exemple aller directement dans la partie événements. Donc, je viens ici, je clique sur événements directement, il m'ouvre directement événements. Au lieu d'aller encore dans le site web pour chercher. Et ça fonctionne exactement de la même manière sur les Android. Vous pouvez tester, vous tapez DSUN site, vous allez sur le site, vous allez voir, ça fonctionne exactement de la même manière sur les Android. Exactement. Si je mets par exemple cours gratuit, il va aller sur la partie cours gratuit. Donc c'est des raccourcis. De la même manière, les applications natives, on leur raccourcit. Et puis avant, ça fonctionnait bien, ça fonctionne bien. On a ajouté ça aussi au PWA. Donc avec les PWA, maintenant on a les raccourcis. Et ça, c'est une nouveauté de 2020. C'est en 2020 qu'ils ont lancé ça. Il n'y a même pas longtemps même ils ont fait ça. C'est au début de l'année. Ils ont lancé l'API. Donc, c'est à ça que c'est les shortcuts. Comme vous pouvez le voir ici, on a vu tout à l'heure opportunité. Oh non, j'ai fermé l'application.
Je le lance. UFM. Voilà. Voilà. Vous voyez, opportunité technologie, c'est ça qui est ici. Opportunité technologie. Il y a toujours le nom et puis le short name, c'est-à-dire le raccourci du nom. S'il n'y a pas assez d'espace, on prend le nom qui est raccourci. Maintenant, il y a la description pour dire cette page du site web. Voici ce que ça contient. Ici, il y a l'URL de la page. Et ici, vous voyez, par exemple, j'ai mis slash page technologie.html, tout et tout, source PWA. Je vais vous expliquer aussi à quoi c'est les sources. Je sais pas si vous faites souvent si vous faites du marketing, souvent vous allez voir, on met UTM. C'est juste pour suivre l'application. C'est juste pour savoir qui a utilisé l'application PWA, qui a utilisé le site web. C'est pour faire la différence, en fait. C'est pour faire la différence entre qui a utilisé l'application PWA et qui a utilisé le site web pour aller. Donc, c'est juste pour avoir des métriques sur le nom de personnes qui utilisent l'application. Non, on met source ici. La source, c'est un PWA. Donc, c'est depuis un PWA qu'on a accédé à cette partie du site web-là. Donc, c'est ça ici, comme vous le voyez. URL, donc, on met l'URL qui va vers la page qu'on vient afficher parce que ici, c'est un site web. Ça fonctionne comme une application native, mais c'est un site web. Donc, on met l'URL qui va vers la page. Et puis ici, on met l'icône. C'est-à-dire, si vous voyez à côté, il y a des icônes. C'est-à-dire l'image que vous voyez juste à côté ici. C'est ça qui est icône là. Donc, vous mettez aussi l'URL. Vous voyez, on est toujours dans le cadre de site web avec la taille. Donc, ici, screenshot, tout à l'heure qu'on voulait générer, on n'a pas pu là. C'est ça qui est là que j'ai généré ici. Il y a aussi un site web. Voilà. Je vais vous donner le lien. Voilà. Voilà. C'est un PWA aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Copie l'URL. Ça vous permet de générer des icônes en fonction de ce que vous voulez pour vos PWA. Open icône. Je choisis un fichier, par exemple, si je veux faire son icône. Vous voyez? Puis je peux générer l'icône. Je vais vous envoyer le lien de la plateforme. Oh. Je vais vous envoyer le lien. Ah, j'espère que. Allô? Oui, Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah oui, il y a madame ou bien demoiselle. Gentil, Claire qui dit, elle nous entend plus. Est-ce que c'est bon maintenant? Allô? bon, Si c'est bon, veuillez répondre. moi je t'aime. Comme on n'est pas beaucoup. Oui, je sais que vous entendez. Comme on n'est pas beaucoup, veuillez répondre pour qu'on Franchement, avance. ça va. Allô? Est-ce que vous êtes On s'en là? fout. Moi, ça va, ça va. Ok. Ah, ok, super. Si vous entendez, c'est bon. Merci beaucoup. Ok. Donc, j'étais où déjà? Donc, je reviens dans mon application. Donc, il y a les screenshots. Il y a les icônes. Les icônes, c'est ce qui s'affiche ici. C'est-à-dire ce que vous voyez ici. Les icônes, c'est ce qui s'affiche sur l'écran. Je n'ai pas mis l'icône de mon PWA sur l'écran. Je vais le mettre. Je vais le mettre. Voilà, ouais, l'icône, c'est là. Donc, l'icône, c'est ça, en fait. C'est ça qui est l'icône. Ouais, la description, c'est tout ce que vous voyez ici. Vous voyez ici, quand j'ai mis mon cursor dessus, tout ce qui est ici, là, c'est la description qu'on a mis ici, en fait. Vous voyez ça, cette partie-là, ce qui est le nom ici, là, tout ça, là. C'est ça qui est la description ici, sur Windows. Donc, si je mets dessus, je laisse. Non, je clique d'abord, puis je laisse. Voilà, donc, c'est ça la description. Ok, donc je crois qu'on a vu un peu de tout. Donc source URL. Donc ici, vous voyez par exemple, j'ai mis slash point d'interrogation source PWA et stat plutôt stat URL. C'est pour dire la source est PWA. C'est juste pour avoir les statistiques.
Oh là, on n'entend plus rien. Allez, tu commences quand? En fait, c'est parti, responsable, ça me dérange. Quoi? Responsable, quoi? Bon, après. Ouais, après, on fait ça. Tu penses quoi? Hey, je suis en train de quoi? Il y en a beaucoup de machins qui sont pas droit d'avoir. Allô? Excusez, j'ai eu un petit problème de connexion. Je sais pas. Allô? Ok, donc j'étais au niveau des questions. Est-ce que vous avez des questions? J'attends vos questions par rapport au manifeste, tout ce qu'on a vu sur les manifestes. Est-ce que vous avez des questions? Bon, il y a un truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est sur le dit au fait. Cette partie dit où on a mis auto là, c'est juste la direction. C'est-à-dire, vous, comme vous le savez, il y a les Arabes et puis il y a nous. Nous là, on écrit de la gauche vers la droite. Oh, les Arabes, c'est l'inverse. Ils écrivent de la droite vers la gauche. Donc ici, c'est juste pour dire genre, la direction de l'écriture. Pour dire, si c'est un Arabe, par exemple, il va mettre droite. C'est-à-dire de la droite vers la gauche. Si c'est nous, on met gauche. Maintenant, j'ai mis automatique. Donc, en fonction de l'utilisateur, il s'adapte. Si c'est un Arabe, si le contenu, c'est Arabe, il va lire normalement pour les Arabes. Si une personne qui est normale vient aussi, il va mettre ça dans... quand le contenu va changer, il va prendre aussi la direction. C'est juste une manière de dire, d'orienter les écritures, genre si c'est arabe ou bien tu crois. C'est à ça que c'est le dit auto qui est là que vous voyez. Ok, j'attends des questions sur le manifeste. Allô, j'espère que je ne suis pas parti encore. Hein. Oui, vous m'entendez? Non. Non, tu es là. Ah, merci, tu merci. Parce que tout à l'heure, c'est parti. Ok. Le manifeste, est-ce que vous avez des questions? Allô? Tu es là. Je peux te voir. Allô? Ça va, pour le moment ça va. Pour le moment ça va. Et notre participante. Mais j'ai une question qui est en dehors du manifeste. Vas-y. Si le site n'est pas responsable, ça peut pas. Oui, vas-y. Si le site n'est pas responsable, est-ce que le PDA Builder, il va gérer ça? Non, lui, je n'ai pas ça. Lui, il te génère juste le fichier manifeste qui définit les caractéristiques de ton site web. Et puis, le service worker, c'est fini. Lui, il ne gère pas si c'est manifeste, si c'est responsable ou pas. Ah, d'accord. Donc, si le site n'est pas fait pour une version mobile, bon, ça sera
Toi, tu vois, non? Si le site, par exemple, n'est pas fait pour une version mobile, par exemple, et que tu fais son PWA, c'est comme si tu n'as rien fait. Hein? Ça a sorti comme PWA, mais si ce n'est pas responsive, les problèmes souvent liés au responsive, là, ça a toujours sorti. Parce qu'il ne faut pas oublier, les PWA utilisent le navigateur, les fonctionnalités du navigateur pour faire leur travail. D'accord. Question. Ah, vous n'avez plus de son. Allô, est-ce que c'est bon maintenant? Allô? Est-ce que c'est bon? Allô? Est-ce que c'est bon maintenant? Hein? Le son, est-ce que le son est bon ou bien ça vient toujours pas? J'attends votre réponse pour continuer. Hein? Je vous attends dans le chat. Monsieur Wilfried, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller, hein, vous pouvez poser vos questions. J'attends. Bon, pour le moins, ça Si. va. Ok, je vais voir. Ok. Je espère qu'il y a le son. Sinon, si vous avez le son, c'est que le son normalement doit être disponible partout. Normalement, c'est que ça fonctionne. Ok. Donc, on a vu le manifeste. Maintenant, on va voir le service worker. Oui, tous ces fichiers-là, dans tout ce contenu-là, vous devez savoir les manipuler. Vous devez savoir les manipuler. Maintenant, au niveau des screenshots, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'image qui s'affiche dès que vous démarrez votre site web. Donc, comme vous pouvez le voir ici aussi, c'est un tableau. Donc, vous pouvez mettre beaucoup d'images, mais les images vont défiler. C'est-à-dire, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez animer. Donc, je vous ai dit, vous pouvez animer des images animées, tout ça. Pour éviter que genre l'utilisateur il est là et puis il y a un écran qui est fixe avec votre image qui est là bizarre et puis il est là, il attend que ça s'affiche. Donc vous pouvez mettre un truc pour animer au fait pour le temps que ça s'affiche. Donc ici vous pouvez faire ça avec plusieurs images. Mais ce qui est animé, même là, on appelle ça splash screen. Et puis on met ça dans le fichier HTML directement. J'en ai ici. J'en ai mis ici. Comme vous pouvez le voir ici, c'est ça ici. Image splash screen. Ça anime en attendant que l'utilisateur puisse accéder. Maintenant, le PWA, ce n'est pas seulement manifeste, service worker. C'est vrai que c'est les deux là qui font fonctionner ça, mais je vais voir si elle a répondu. Ah, ok. Si le son se coupe à votre niveau, c'est que vous avez un problème de connexion. Donc, essayez de vous déplacer un peu dans une zone où il y a la connexion. Si ça se coupe, c'est que vous avez un problème de connexion à votre niveau. Parce qu'il y a M. Wilfried qui entend bien. Donc, si ça se coupe à votre niveau, c'est qu'il y a un problème de connexion. Okay, donc essayez de vous déplacer à un endroit où la connexion est stable. Ok, donc j'ai donné. Ok, voilà. Donc je disais que même si vous avez un fini fichier manifeste qui est joli, joli, et que vous avez un fichier, c'est votre service worker, voilà, votre serveur embarqué, c'est-à-dire votre serveur local qui est là, vous avez bien conçu ça. Si votre site web n'est pas responsive, ce n'est pas la peine. Il faudrait. Et puis. Ce qui constitue le vrai problème avec les PWA, parce que faire le manifeste, ce n'est pas un problème. Il suffit juste de remplir. C'est comme remplir un fichier. Disons, il y a les propriétés qui sont là, tu peux garder, puis tu remplis seulement. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Le service worker aussi, bon, si tu veux développer toi-même, tu vas faire beaucoup de travail. Sinon, si tu prends la bibliothèque Workboss, tu appelles juste, on appelle ça même, les fonctions, et puis tu utilises.
Maintenant, si ton site web ne s'adapte pas à ordinateur mobile, ce n'est pas la peine. Le la progressive web apps, mais c'est désagréable. Il ne peut pas utiliser. Maintenant, si par exemple, Concorde, voilà, il y a un défi vraiment qui est lié au PWA. Tout à l'heure, je vous ai dit que les PWA partout, ils passent, ils s'adaptent. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que quand il prend par exemple les PWA qui sont ici, par exemple, là, quand on va dessus, même on sent que c'est un peu comme un site web. Non, le défi, c'est quoi? C'est de faire en sorte que quand on est sur le site web, même là, la manière dont le site se présente là, il ne faudrait pas que ça soit de la même manière quand on est en PWA. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Il y a les gens, par exemple, ils font des fichiers CSS pour chaque type. C'est-à-dire, si la personne est connectée sur un ordinateur, il y a ce qu'il voit. Si la personne est connectée sur un mobile, il y a ce qu'il voit. Si la personne est connectée sur une tablette, il y a aussi ce qu'il voit. Donc, si vous pouvez adapter votre site web de telle sorte que l'affichage sur ordinateur, c'est différent de tablette, de téléphone, de télévision. C'est que si une fois que vous avez ajouté le PWA, c'est fini. Vous n'avez plus grand-chose à faire. Parce que là, ça ne sert à rien de faire un PWA et puis le gars, c'est vrai, bon, il a ça sur son téléphone ou bien sur l'ordinateur, ça fonctionne correctement, mais l'affichage plutôt est désagréable, c'est pas bien. Et puis, il y a aussi la rapidité du site web. Parce que je vais vous le montrer. Oh, elle est partie. Oh, elle est partie. Donc, monsieur Wifi, on est seul. Allô, monsieur Wifi? Oui, je vous entends. Ok, donc on est seul. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je disais, j'étais ici, j'étais où? Voilà, donc je voulais faire un truc ici, DSN site. Voilà. Donc, je vais aller ici. Parce que pour faire du progressive web apps, il faut savoir utiliser aussi l'outil de développement de que ce soit Chrome, ce que vous voulez. En tout cas, il faut maîtriser ces outils-là. C'est quelle erreur il y a ici? Oh, c'est l'autre là qui ne répond pas. Donc, je vais voir ça après. Ok, l'erreur est partie. Toujours. Parce que moi, j'aime pas quand je vois les erreurs de JavaScript. Moi, ça m'énerve. Quand il fait un travail, j'aime voir que c'est clean. Il n'y a pas d'erreur qui s'affiche. Ok. Je vais montrer quelque chose. Voilà. Si vous avez. Je suis dans l'application, ça va me rendre cette discussion en bas. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez défini votre fichier manifeste, que vous venez ici, vous devez voir ça. C'est-à-dire, vous voyez ici le nom, le short name, présentation, stack URL. Thème color, background color, orientation, icône, les icônes de votre site web, les différents formats d'icônes. Les shortcuts dont j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez ici, ils sont là. Donc, tout ce qu'on a défini dans le manifeste, ça s'affiche ici. Donc, si vous avez bien conçu votre manifeste, vous devez vérifier si c'est bon. Si vous venez ici et que rien ne s'affiche, c'est que votre manifeste, il y a problème. Pour aller corriger l'erreur qu'il y a dedans, c'est qu'il y a problème. Maintenant, ça, c'est service worker, on n'est pas encore arrivé dessus. Sinon, j'allais vous montrer. Vous voyez, c'est ouvert, ça veut dire ça fonctionne. Ça fonctionne, non, ça fonctionne. Bien ici. Donc, vous voyez ici, il y a les caractéristiques. Tout s'affiche. Il n'y a pas un qui reste. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que moi-même, j'utilise Workboss. Vous voyez, dans la console, ils ont mis Workboss partout. C'est ça, j'utilise pour travailler. C'est sur ça même qui est basé PWA Builder. Maintenant, même, on doit aller dans les fonctionnalités de PWA. C'est parce que, en fait, je n'avais pas animé de séance concernant PWA que je suis en train de faire tout cela. Sinon, l'objectif de la séance n'est pas de parler de PWA, mais de parler de PWA Builder. Donc, il faudrait déjà qu'on ait une séance sur PWA avant de venir parler de PWA Builder. Mais comme on n'a pas eu, donc, je fais tout en même temps. OK.
On va venir ici maintenant sur les services Worker de PwA Builder. Donc, comme j'ai dit, PwA Builder, c'est déjà fait. Ils ont déjà tout fait, puis c'est là. Tout ce que tu as fait, c'est prendre leur code, puis tu mets. Maintenant, il y a un truc, je n'ai pas dit. Quand tu finis de faire ton fichier manifeste, il faut appeler ça dans ta page HTML. Donc, on met un link, on met la balise link pour appeler le fichier manifeste dans la page HTML. C'est tout. Tu mets juste tu utilises la balise link pour appeler le fichier manifeste plutôt dans ta page HTML. Là, il y a une autre manière d'appeler le fichier le service worker dans la page HTML. Ça, c'est avec une fonctionnalité JavaScript qui est ici. Je suis en bas du site web. On le met toujours en bas du site web, complètement en bas du site web, en bas de votre body. C'est-à-dire quand vous finissez de développer votre site web, de faire tout ce que vous avez à faire là, en bas de votre body. Vous voyez ici, par exemple, j'ai mis ça ici. Vous pouvez même mettre ça complètement en bas. Mais de préférence, mettez ça au niveau, à un niveau où, de sorte que, qu'il n'y ait pas un script en haut qui va bloquer celui-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un script en haut qui va bloquer celui-là. Après, vous savez, quand on veut exécuter le contenu d'une page, on fait ni par ligne. Donc, s'il y a un contenu, s'il y a un script en haut qui bloque celui-là, lui-là, il ne va pas fonctionner. Donc, faites attention. Maintenant, on est sur les service worker. Voici comment on appelle les service worker dans son site web. Donc, c'est une fonction. C'est une fonction. Ici, c'est pour Workboss. Maintenant, pour Tuc, là, il y a ça ici. Pour PWA Builder, on n'est pas là pour parler de Workboss. C'est ça ici. Vous voyez, ce qui est en bas ici, ce qui est ici là, c'est-à-dire ajouter ce code au niveau de la balise script. Donc, ça là, vous ajoutez ça, ce qui est en bas ici, vous ajoutez ça dans votre page HTML pour faire appel à votre script. C'est ce que vous mettez dans votre page HTML, faire appel à votre script. En gros, ici, c'est ce que vous mettez dans le fichier. Bon, ici, ils ont mis PWA Builder SW.js. Donc, en gros, ici, c'est votre fichier Service Worker, c'est-à-dire votre Service Worker. C'est ça qui est là. Bon, souvent, bon, Service Worker, c'est un serveur. Mais souvent, quand on dit fichier JavaScript, il ne faut pas confondre. Le fichier JavaScript, il contient la manière dont le serveur là fonctionne. Sinon, le service worker même, c'est un serveur local. Maintenant, c'est la manière dont il fonctionne, c'est sa configuration. C'est ça qui se trouve dans le fichier sw.js ou bien service worker.js. Ici, ils ont mis pwa-sw.js. Donc, comme vous le voyez ici, eux, ils ont écrit les méthodes, ils ont écrit les fonctionnalités, ils ont écrit le code. Toi, tu prends juste ce que tu fais. Donc, quand tu utilises ça, ça sert à quoi? Ça sert à stocker ta page en ligne. C'est-à-dire, comment on appelle ça même? Si l'utilisateur n'est pas connecté, il va accéder à ta page. C'est ça que ce code-là fait. Comme je vous ai dit, c'est basé sur Workboss. Donc, vous voyez ici, il fait appel à Workboss. Déjà ici, il a importé la bibliothèque Workboss de Google dans son truc. Et puis, il utilise cette bibliothèque-là pour définir ses stratégies. Donc, vous pouvez faire de même. Maintenant, si vous n'êtes pas développeur, vous allez vite et vous allez tout droit. Vous n'avez pas envie d'écrire du code. Maintenant, ici, c'est la même chose que le premier offline, mais il fait une copie de votre page. Donc, non seulement il va stocker votre site web en cache, mais en plus de ça, il va faire une copie de votre site web qu'il va mettre là. Donc, ici, c'est votre page qui est en ligne là. C'est ça qui stocke. Or, ici, il fait une copie de la page et puis il met là. Donc, le jour où il n'y a pas connexion là, il vous sort la copie. Maintenant, s'il y a mise à jour là, il va encore faire une autre copie de la page. Il va mettre là, c'est-à-dire il y a mise à jour, donc le contenu de la page change. Pour mettre en offline, il fait une copie. Donc, la différence, la vraie différence entre les deux, c'est qu'il stocke le fichier directement, c'est-à-dire offline. Bon, ici, comme ils ont mis, vous remplacez la partie où ils ont mis. Ça, il y a une partie ici, ils ont mis offline. Il doit avoir ça. Voilà, tout doux remplace this name HTML. Donc, c'est le fichier que vous voulez mettre offline, vous mettez là. Donc, ici, voilà. Faites toujours appel à Workboss. Je vous ai dit, ça utilise Workboss. Et puis, ici, regardez la stratégie que ça utilise. On a parlé des stratégies tout à l'heure. Donc, ici, là, il utilise cette stratégie-là. Ça.
Voilà la première stratégie. Donc, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il envoie les requêtes au web comme au cache. Celui qui répond premièrement, c'est lui qui l'affiche. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est la stratégie. Il faut regarder le nom de la stratégie utilisée. Maintenant, ici, ils ont mis cache pourquoi? Vous voyez ici, il a dit quoi? Il fait une copie de la page. Contrairement ici, si vous venez ici, par exemple. Ici, par exemple. Ouais, ça, c'est cette partie qui est ici. C'est la partie cache. Et puis, la partie qui est en haut, c'est la partie genre... si le cache ne répond pas, comment il va gérer tout ça au niveau du navigateur et tout. Ok. Tout ce qui a rapport ici, vous voyez, network, réponse, la réponse du web, la réponse du cache. Donc, il récupère la réponse du web, la réponse du cache, les deux ici. Pour fonctionner. Maintenant, s'il veut servir une page qui est online, il prend la page qui est dans le cache parce que c'est ça qui est online. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la connexion, mais s'il n'y a pas la connexion, il prend la page qui est dans le cache. S'il y a la connexion, il envoie les requêtes, comme on a dit tout à l'heure, à Internet comme au cache. Maintenant, ici, ils ont spécifié que c'est le cache. Donc, il va chercher l'information dans le cache. Workbox routing, c'est la route, le chemin que ça suit. On a défini le chemin que ça doit suivre. Donc, on a dit, il utilise avec tout stall-wide, je valider qu'on a vu tout à l'heure. Mais ici, on a précisé le nom du cache plutôt. Excusez-moi, c'est le cache même qu'il a précisé. Donc, c'est juste pour dire le nom du cache qui est utilisé. Donc, il va chercher. Parce que vous pouvez donner des noms avec Workbox, c'est ça qui est bien. Vous pouvez donner des noms. Est-ce que je peux vous montrer, vous montrer de quoi je parle ici. Quand je parle de nom, je vais venir ici dans Network. Je vais finir dans l'application, toujours local storage. Vous voyez ici par exemple, non, voilà, session, IODP, voilà, Workbox, exploration, cache. Vous voyez, c'est les fichiers qu'il a stockés dans mon cache, c'est les fichiers là qui sont là en fait. Image, cache, vous voyez, c'est les fichiers qui sont stockés dans mon cache, les fichiers là qui sont là. Maintenant, cache name dont je parlais là, ça qui est ici. Vous pouvez mettre le nom de votre cache de telle sorte que. Attendez, je n'ai pas vu ce que je voulais. Voilà. Ici, mon cache name, c'est image cache. Donc, j'ai dit que j'ai donné un nom pour pouvoir récupérer, pouvoir facilement me retrouver ici. Donc, quand je vois image cache, ça vous dit quoi? C'est-à-dire, ce cache-là, ça concerne l'image, au fait. Ça veut dire l'image de mon site web. Les images plutôt de mon site web. C'est une seule image. Ça concerne les images de mon site web. Donc, l'image là, ça concerne. Et c'est comme et une valeur, genre, pouvoir reconnaître au niveau de mon site web les données qui sont en cache. Donc, ici, l'image là, c'est vous dire que c'est les images qui sont là. S'il y avait autre fichier, par exemple, CSS, vous voyez, par exemple, il y a Google Font Web, Google Font Web Font. Ça vous dit quoi? Que ça, c'est les web fonts de Google qui ont été stockées dans le cache. S'il y avait CSS, j'allais voir CSS, HTML, j'allais voir tout ça là. Ici, ils ont le temps. On va pas arriver là-bas. C'est le temps pendant lequel les fichiers seront stockés en cache. C'est tout. Maintenant, le cache lui-même, c'est-à-dire les fichiers même. Voilà. Ici, c'est les liens même qui vont vers les fichiers là-même. C'est-à-dire les fichiers qu'on a vu tout à l'heure là. Et puis, ici, on dit quoi? On a mis la date où le fichier a été stocké. Donc, il a été stocké à cette date-là. Et puis, il n'y a pas d'espace. On va voir tout. Voilà. Ah, bon, ils ont mis l'heure aussi. L'heure à laquelle le fichier a été stocké. Donc, voilà les fichiers qui ont été stockés. Les voilà ici. La mémoire cache même là, voici les fichiers qui sont dedans. Ici, c'est la déclaration, c'est-à-dire ici, qu'on appelle ça. PWA, vous voyez ce qu'ils ont écrit ici. C'est ça qui est ici, c'est ça que je voulais vous montrer seulement. Bon. Si c'était une séance Workbox, on allait entrer vraiment dans les détails. Donc, ce que vous avez vu là-bas, c'est ça qui est ici.
Donc, ici, on vient offline, copier, background, offline, page. Donc, en plus de copier, il y a aussi un backup à l'intérieur. Donc, comme vous le voyez ici, ils ont combiné les deux premiers. Je sais pas si vous voyez, ils ont combiné les deux premières stratégies. Ici, il y a le cache first network, c'est-à-dire le cache d'abord. Cache d'abord. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis network devant, parce que ici, quand je regarde dans le code, il n'y a pas du network. Bon, bref, c'est le cache d'abord. Donc, il va chercher le contenu qui a été laissé en cache. C'est d'abord ça qu'il va chercher. Donc, ça rejoint notre stratégie qui est ici. C'est-à-dire, voilà, cache first, il va d'abord dans le cache. C'est ça que ça veut dire. Ici, il y a Advanced qui cache. Excusez-moi pour mon anglais. Donc là, on va carrément loin. Donc, on est plus avancé. Vous voyez, il y a les styles, les JavaScript, les fichiers CSS, voilà, les fichiers email, les fichiers font. Donc ici, carrément, on spécifie plutôt. Ici, par exemple, il a mis à destination de. Si par exemple on était dans une session Workboss, vous allez voir que le cache n'est ici, si, par exemple, HTML cache. Donc normalement c'est censé s'afficher ici pour mettre HTML et puis il met les détails devant. C'est à ça que ça sert. Maintenant ils ont mis expiration 10. Maintenant si on met rien, je crois que si on met rien, ça fait 10 jours, si je ne me trompe pas. Hein. Ça il faut que je me rappelle, mais il faut que je me rappelle, Et puis, ce n'est pas une science. Je viens ici dans mon code. Je crois qu'ici, je peux me rappeler si je vois. Voilà, donc ça fait 17. Voilà, donc ça fait 15 jours. H, c'est 15 jours. Ah, mass entity, c'est différent. Mass entity, c'est le nombre de fichiers qu'on peut stocker. Donc, il peut stocker au maximum ici. Je n'ai pas bien. J'ai confondu ça avec mass H. Mass entity, donc il peut stocker au maximum 10 fichiers HTML, si au maximum 15 fichiers JS, ici au maximum 15 fichiers CSS, au maximum 15 images. Donc, et ici, ils ont mis par défaut. Hein. Donc celui qui ne maîtrise pas le code, c'est parce que moi je maîtrise Workboss et que j'utilise Workboss. Sinon, pour quelqu'un qui n'utilise pas Workboss, là, lui, il vient, il prend le code seulement, il part. S'il arrive à lire, ça fait ça. S'il n'arrive pas à lire, ça fait ça. Donc ici, ils sont allés plus loin en choisissant genre de stocker différents types de trucs, de documents, hein, de fichiers plutôt, de différents types de fichiers dans le cache. Donc, ils sont allés vraiment loin ici. Donc, c'est ça, en fait. Comme je vous ai dit ça, c'est parce que moi, je maîtrise que j'ai fait ça. Sinon, il y a d'autres, ils viennent, ils prennent le code seulement, ils prennent et puis ils copient-collent, ils s'en vont. Donc, ce qui est en bas ici, là, c'est ce que vous mettez dans votre script. Je dis bien, ce qui est en bas ici, c'est ce que vous mettez dans votre script. Ils ont même défini ici le contenu ce que vous devez mettre. C'est le script qui fait appel à celui-là. Donc, vous mettez ici dans votre fichier HTML. Ça, là, ça reste dans votre fichier HTML. C'est ce qui est ici, vous mettez dans votre fichier HTML. Donc, c'est lui qui va faire appel au fichier qui est en haut ici. C'est-à-dire le fichier swa.js. Il fait appel à ça. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a le background synchrone, c'est-à-dire quoi? Votre site web sera mis à jour en arrière-plan. Donc, comme vous voyez ici, ils ont dit quoi? La mise à jour se fera chaque 24 heures. Donc, chaque 24 heures, il fait une mise à jour de votre site web en arrière-plan. S'il y a une nouvelle version de votre site web, vous avez fait une mise à jour, il fait, qu'on appelle ça même, la mise à jour en arrière-plan derrière. Maintenant, si c'est que vous voulez développer vous-même avec Workboss, tout ça, c'est vous-même qui vous allez écrire à la main. Mais celui qui ne connaît pas Workboss, lui, vient juste prendre le code, il plaque, puis il s'en va. Maintenant, ici, je vais dans ce bout servi et les fichiers médias qui sont stockés dans le cache. Les fichiers MP4, MP3, tout ce qui est fichier média. Hein, donc, vous pouvez stocker les fichiers déjà. Ici, ils ont pris les MP4, tout ce qui est fichier MP4, c'est ça seul, ils stockent. Donc, tout ce qui est vidéo MP4, ils vont stocker ça dans le cache. Et puis après, quand l'utilisateur aura besoin, ils vont servir. Tout ça, c'est du Workboss. Donc, tout ça, je comprends. Mais comme on n'est pas dans une séance Workboss, on va passer dessus. Maintenant, on va voir la puissance de PWA Builder. Parce que ça, là, vous savez, si vous êtes développeur, Workboss est mieux. On va voir la puissance même de
Sa puissance maintenant ici. C'est-à-dire quand vous avez fini de développer votre site web, puis c'est en ligne, vous venez ici maintenant, vous faites ça. Vous mettez le lien de votre site web, vous mettez, vous cliquez sur Stats, et puis vous attendez. Vous attendez, il vient. Une fois c'est fini, comme vous pouvez le voir, hein, nous on est à, le score ici c'est 100%. Donc, là, fonctionne pas 100%. Donc, une fois que vous êtes ici et que, comment dirais-je, vous avez mis le lien de votre site web, vous venez ici, vous cliquez sur Build My PWA. Voilà. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, là, c'est-à-dire générer l'APK Android, c'est ici. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là. Maintenant, soit vous téléchargez directement l'APK, on va le faire. Puis, on va voir l'autre côté aussi. On attend. Donc, vous attendez. Il va générer l'APK plutôt pour vous. Il va générer l'APK que vous allez mettre dans Google Play. Google Play Store, puis les utilisateurs pourront télécharger votre application. Donc là, carrément, c'est comme si vous avez votre application Android. Vous voulez enregistrer. Maintenant, ici, il y a option. Donc, supposons que vous êtes développeur. Vous voyez, ici, il y a option. Donc, c'est pour aller plus loin. Hein, si vous ne voulez pas qu'il génère directement pour vous un truc comme ça là-bas. Donc, vous pouvez modifier des informations. Par exemple, ici, il y a des trucs qu'il ne faut pas modifier. Ne pas toucher. Statut bas color, vous pouvez modifier. Splash color, tout ça. Tout ça, vous définissez ça dans votre code manifeste. Donc, c'est ce qui est dans le manifeste, il a récupéré. Donc, il a récupéré votre code manifeste. Et en fonction de ce que vous avez donné, il a fait le truc ici. Vous avez parlé de splash screen, c'est-à-dire l'animation qui est devant là. Donc, ça va durer pendant 30 millisecondes. Donc, c'est eux-mêmes, ils ont choisi ça par défaut. Donc, vous pouvez modifier ça. Full black, display mode. Donc, tout ça, c'est des paramètres liés aux Android. Signature, ça c'est si c'est pour la première fois. Si c'est pour la première fois que vous générez l'APK, vous créez une nouvelle signature. Mais si ce n'est pas la première fois, vous ne créez pas une nouvelle signature. Vous voyez, quand j'ai mis ça sur l'autre, c'est parti. Si c'était la première fois, maintenant ici, vous allez mettre les clés. Ça, c'est bon. Si vous êtes développeur Android, vous devez savoir à quoi tout ça là sert. Bon, moi, je ne fais pas du développement Android. Donc, les clés, tout ça, les détails. Tous les détails que vous voyez ici, là, ça se trouve dans votre compte Google Play. Donc, tous ceux qui ont un compte Google Play, vous allez voir les détails là. Ça se trouve dans votre compte là-bas. Donc, moi, je n'ai pas de compte Google Play. Je ne suis pas développeur Android. Maintenant, si c'est la première fois que vous le faites, donc, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Or, on est pratiquement à la fin. Donc, si c'est, j'étais ici, voilà. Si c'est pour la première fois que vous le faites, c'est-à-dire la première fois que vous générez votre APK Android, vous mettez sur Create New. Donc, il génère une nouvelle clé pour vous et tout et tout. Vous voyez, déjà même ici, il a mis tout ce qu'il faut, il a mis par défaut les informations. Maintenant, si ce n'est pas la première fois, vous allez avec les autres options. Mais si vous ne voulez pas signer votre application, vous ne signez pas. C'est vous qui voyez. Donc, c'est ça. Ici, vous voyez ici, c'est l'image, l'icône qui va s'afficher. Ici, ici, il a mis, si vous voulez, l'icône, que ça soit l'icône, que votre icône soit monocolore, monochrome, c'est-à-dire deux couleurs, blanc ou bien, qu'on appelle ça même, blanc ou bien noir. Si vous voulez que ça soit blanc-noir, c'est ici vous allez mettre l'image. Si vous voulez que ça soit image avec couleur, c'est ici vous mettez. Donc, vous pouvez venir après cliquer sur normalement, le tout cas, donc marcher. Voilà, c'est bon. URL, donc ils ont donné les détails, les options et tout. Ok, ça c'est pour les Android. On a vu, on a même généré l'APK. Je vais ouvrir ça, afficher dans le dossier. Ok, j'ouvre et voilà. Donc, ici, vous avez votre fichier, quoi, votre fichier APK qui est signé, qui est ici. Donc, vous voyez votre fichier APK qui est ici. Et puis, il a généré hein, les informations concernant la clé et tout. Il génère tout. Vous ne faites rien. Il génère tout. Il génère tout pour vous. Vous récupérez, vous mettez ça dans votre compte Google Play là-bas. Et puis, hop, vous avez votre application Android qui est là. Il n'y a même pas quelque chose à faire même. Vous ne tapez pas de ligne de code. Ça là, on peut pas, ça là, on peut le faire. On ne peut pas le faire à la main. J'ai encodé pour le faire. Ce n'est pas possible. Maintenant, ce qui est utilisé en arrière-plan pour générer aussi, c'est un autre outil de Google. Bon, j'ai oublié son nom. C'est un outil de Google. Donc, vous pouvez utiliser l'outil là lui-même
Et je crois que si je vais ici, autre favori, je dois avoir ça dans mes favoris. PWA. Il faudrait que je vous donne le nom aussi. Voilà, ça s'appelle Bulb Wrap. Oh non, j'ai quitté sur mon truc. Ah non, c'est pas Bulb Wrap. Excusez, c'est pas ça le nom, je me suis trompé. Voilà, voilà, c'est Bulb Wrap. Voilà, ça s'appelle Bulb Wrap. Okay. Ça s'appelle Bulb Wrap. Voilà, c'est le nom qui est là. Ça s'appelle Bulb Wrap. Comme je vous ai dit, c'est un outil de Google. Donc, c'est Bulb Wrap qui est utilisé en arrière-plan. Bon, je n'ai pas fait, je n'ai pas lancé ça dans une autre lumière. Je vais faire start ici. On va revenir là où on était avant. Donc, c'est Bulb Wrap qui est utilisé en arrière-plan par PWA Builder pour générer l'APK de votre site que vous avez vu tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez aussi le faire à la main. Donc, vous pouvez, tout à l'heure, quand on a demandé, il a généré le fichier pour nous. Il a généré ce fichier-là pour nous où il y a l'APK avec les données et tout, et tout, et tout. Il a généré ça pour nous. Si on ne veut pas venir ici pour le faire, bon, ici, c'est plus facile. Voyez, tu as une interface qui est là et puis tu écris de tout simplement, c'est bon. Or, de l'autre côté, tu télécharges, soit tu veux, tu télécharges, si tu veux faire développeur, développeur, tu télécharges Bulb Wrap et puis tu utilises en ligne de commande avec Node.js. Donc, il faut avoir Node.js installé et puis tu télécharges, tu, en ligne de commande, tu fais ce que tu as fait comme manipulation. Donc, ici, comme j'ai dit, PWA, ça me facilite la tâche. Donc, ici, tu as l'interface, puis tu utilises, puis ça passe. Maintenant, il y a. Pour Samsung, là, carrément, il génère. Vous voyez, quand j'ai cliqué, il ne m'a pas donné d'option. Il va générer directement le fichier. Il y a pour Windows, que j'aime bien, parce qu'il faudrait que je vous montre, comme c'est, on est sur ordinateur, je dois vous montrer la différence entre les APK qui sont générés ici et quand je viens, par exemple, ici, par exemple, puis je clique directement. Vous voyez, quand je clique, par exemple, directement ici, puis j'installe Form de PWA. On a fait ça tout à l'heure, c'est là. La manière dont ça s'affiche ici, là. Vous allez voir, il y a une grande différence. En ça, et puis si je génère ça ici, donc je vais générer ici pour vous montrer la différence. Donc ici aussi, soit je télécharge directement, soit je vais générer. Donc ici, c'est pour mettre les paramètres. Si vous avez votre compte Windows, genre développeur Windows, Windows développeur, vous allez voir comme Windows développeur, vous allez mettre les détails concernant votre compte, vous allez mettre le nom de la compagnie. Ce numéro-là, ça, c'est en fonction de votre, comment on appelle ça même. Ça se trouve sur votre compte de Windows développeur. Là-bas, vous allez avoir ça, package, identity name, vous allez donner un nom à votre package, le nom de la version de l'application. Donc, soit vous faites ça, soit vous générez directement. Moi, je n'ai pas de compte Windows développeur, donc je vais générer vu qu'il s'agit d'une démonstration. Donc, on va voir ici le contenu de Samsung. Ou Samsung. Voilà, pour Samsung, ça, vous voyez ici, il y a Project. Il y a Samsung, donc c'est ça, ça vous sort de l'application source que vous allez mettre sur Samsung, sur Galaxy Store. Voilà, Galaxy Store de Samsung. Donc ça, c'est pour Samsung. Donc on vient de générer pour Windows, affiché dans le dossier. Ça, c'est pour Windows. Il a généré ça pour moi. Maintenant, je vais installer. C'est pour installer pour Windows là qui est un peu. Il faut maîtriser un peu. Bon, normalement, si ça génère, quand ça génère, vous devez aller mettre ça sur votre compte, sur Windows là-bas et tout et tout. Mais comme c'est une manipulation et puis on est dans une session de formation, on veut tester, on ne va pas aller déposer ça sur Windows, sur notre compte Windows développeur, déjà que j'en ai pas. Parce que comme je le dis souvent, je ne suis pas développeur. Donc, pour MacOS, il n'y a pas d'option. Il vous génère directement ça et puis vous prenez. Vous voyez, donc ici, il vous sort l'APK de MacOS et tout. Donc, c'est ça que vous allez prendre. Je n'ai pas de MacOS non plus. J'ai Windows, sinon on allait faire la démonstration ensemble. OK, donc on va faire la démonstration de Windows. C'est la dernière chose qu'on va faire. Pour cette session de formation, je vais chercher le code. Donc, je vais décompresser mon code de Windows, extrait ici. Voilà. Donc, il a extrait le dossier projet, je rentre à l'intérieur. Voilà. Donc, vous avez Windows 10, Service Worker et tout.
tout se passe ici hein, au niveau de Windows. C'est ici que nous allons lancer une commande. Nous allons utiliser une commande qui va nous permettre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va avant de faire la démonstration? Vu que c'est la dernière chose à faire, je vais savoir si vous êtes là. Allô? Ça peut aller? Et allô? Oui, ça peut aller. Hey, ça va. Je viens de vous rejoindre, mais je sais que ça va. Ok, il n'y a pas de problème. Quand on va finir cela, si vous avez des préoccupations, vous pouvez. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc ici pour. Donc, j'espère que vous avez vu au moins cette partie-là. Vous avez vu les parties où j'ai commencé par parler d'Android, Samsung, Windows, macOS. Est-ce que vous avez vu? À partir de Windows. À partir de Windows. Oui. Ok, je reviens un peu en arrière. Donc, je disais pour Android, donc vous pouvez télécharger directement l'APK pour tester. Donc, on avait téléchargé tout à l'heure. On a vu le contenu du fichier, c'était ici. C'était ça. Donc, il y avait l'APK Android que vous voyez ici. Il vous sort un contenu avec tout. Et donc, je disais que c'est basé sur un outil de Google qu'on appelle Bulb Wrap. Donc, c'est les gars de Google qui ont développé ça. Puis, c'est ça que lui utilise en arrière-plan pour générer votre APK. Donc, si vous ne voulez pas l'utiliser, vous aussi, vous pouvez mettre Bulb Wrap sur votre téléphone. Et puis, et j'ai envoyé le téléphone sur votre ordinateur et puis vous allez générer, mais en ligne de commande. Maintenant, pour ne pas vous fatiguer, on vous donne l'option de remplir les options ici. Et on vous donne l'option de remplir, par exemple, les informations concernant votre application pour ne pas avoir fait ça en ligne de commande. Si c'est pour la première fois, vous laissez, par exemple, ici sur Create New. Donc, c'est nouveau. Maintenant, si ce n'est pas pour la première fois, vous mettez non plutôt. Ou si non là, c'est si vous ne voulez pas signer votre application. Et je tiens à vous rappeler que si vous ne signez pas votre application et que vous mettez l'APK, quand les utilisateurs vont installer votre application, ils vont voir l'URL. Donc, c'est un peu PWA, mais on voit l'URL. Donc, vous voyez, ce n'est pas joli à voir. Mais il faut signer votre application. Hein? Si votre application n'est pas signée, il ne va pas faire tu vois. Et Google ne va pas considérer ça comme un PWA. Donc, il faut signer votre application. Donc, Create New. Donc, il va signer directement avec les informations qu'il faut. C'est nouveau, on n'a jamais mis l'application sur Google Play. Maintenant, si vous avez déjà mis ça une fois, hein, vous allez choisir, vous voyez les fichiers, vous allez récupérer hein, la clé au niveau de Google Play. Donc, vous récupérez la clé et vous venez mettre ça ici. Vu que, on ne peut pas signer une application deux fois en mode new, c'est-à-dire nouveau, vu que ce n'est pas nouveau. C'est un truc qui est service. On s'est déjà signé. Donc, vous allez juste récupérer la clé qui a été utilisée premièrement pour signer à nouveau avant de mettre. Sinon, si vous ne signez pas votre application, ils vont mettre l'URL. Puis, ça sera venu. L'objectif, c'est de faire en sorte que ça soit une application mobile. Donc, j'ai bien fait de revenir dessus même. Donc, vous allez remplir les autres informations qui sont là. Ça, c'est pour l'image monochrome. C'est-à-dire deux couleurs, puis ici, il y a l'image à couleur. Ça, c'est ce qui s'affiche quand l'utilisateur lance votre application. OK, voilà. C'était pour revenir dessus pour vous. Sinon, le reste, c'est la même chose, c'est le même principe. Windows aussi, c'est la même chose. Vous remplissez les informations en tenant compte de votre compte de développeur Microsoft. Moi, je n'ai pas de compte de développeur Microsoft. C'est sur ce compte-là, vous allez voir les détails que vous allez mettre ici. Bon, c'est juste ce détail qui est ici hein, que vous allez voir sur votre compte Microsoft. Sinon, le reste, c'est le nom du paquet, de l'application, la version, le nom de publication et tout. Maintenant, comme c'est un test, on génère juste pour tester sur notre application. Donc, c'est GGA généré. Puis, c'est ça qui est ici. Windows 10, ça, j'ai décompressé ici. Donc, on était dedans tout à l'heure. J'espère maintenant que ça va. Donc, on va installer ça sur notre application pour voir un peu la différence entre quand c'est exécuté. Hein, on va voir la différence entre quand c'est exécuté, quand on télécharge ça depuis le store et puis quand c'est genre tu viens sur le site web et tu cliques sur le bouton par exemple installer pour installer la différence entre ça et puis quand on va directement sur le store pour aller prendre. Parce qu'il y a une différence qu'il ne faut pas oublier. Quand on va sur le store, c'est comme si c'est natif. Or, quand on fait ici, c'est comme si c'est toujours une application web progressive.
Donc ici, c'est PWA, PWA. Or, de l'autre côté, c'est carrément une application native, c'est-à-dire les fichiers qu'il a générés ici. Ici, où ça ouais, ici, c'est pour que ça soit comme ça fonctionne vraiment comme une application native. Donc, ça les casse ici, une application native. Or, quand on vient depuis le navigateur pour générer ici, l'exemple, c'est déjà ici, mais vous allez voir, il y a ce bouton-là. Donc, c'est un peu comme si on était toujours dans un navigateur, vous voyez. S'il y avait des plugins à mon navigateur, comme ici, par exemple, vous voyez, il ajoute les plugins. Donc, c'est un peu comme si on était toujours sur un navigateur. Or, quand c'est sur Windows, c'est-à-dire vous générez l'APK ici depuis PWA Builder, que vous le faites. C'est ici, vous venez ici pour générer l'APK directement pour le faire. C'est comme si ça fonctionnait exactement comme les applications natives. Donc, c'est ça la force de PWA Builder. Et puis, il n'y a pas deux. C'est le seul à pouvoir faire tout ça ensemble. C'est vrai que ça utilise des outils, d'autres outils en arrière-plan. Mais il est le seul à pouvoir vous mettre tout ça à disposition. Je n'ai pas parlé de Progressive Web Apps qui est en haut ici parce que je me dis que bon, tout à l'heure, on a parlé des manifestes Service Worker. C'est juste que il va vous générer les fichiers qu'on a vus tout à l'heure là. C'est juste ça. Les fichiers qu'on avait vus au niveau de la page Work Manifest. Et puis, on va ouvrir ensemble pour voir. Juste pour que vous voyez exactement ce que je dis. Il va vous générer directement le manifeste. Vous voyez, il génère un manifeste. Donc moi, il y a mon manifeste. Il génère ça. Donc moi, j'ai dit, c'est moi, mais j'ai écrit mon manifeste. Si, par exemple, il n'y a pas de manifeste sur le site web, il va générer pour vous en fonction comment dirais-je, de ça, en fait. Il tient compte de ça. C'est à cause de ça, je voulais mettre l'accent sur ça. Quand vous écrivez vos fichiers HTML là, c'est très important. Il y a des trucs qui sont vraiment importants. Il y a des balises qu'il ne faut pas oublier. Les balises méta là, c'est très important pour les PWA. Parce que par exemple, si je n'avais pas mis de fichier de manifeste, s'il voulait générer à partir de mon code, un fichier manifeste, il va lire mon code. Puis ici, par exemple, j'ai mis thème color, il prend ça. Je ne sais pas si vous voyez. Si j'ai mis auteur, titre, ce titre là, ça va devenir nom, le name dans comment on appelle ça même, dans mon fichier manifeste. Donc, si vous ne le définissez pas, description, ça va devenir description là-bas. Donc, si vous ne prenez pas la peine de définir, de réellement définir les fichiers ici, par exemple, il y a un autre truc qui est aussi important, le truc d'icône, c'est où même? Je ne sais pas mieux voir. Voilà, c'est ça ici. Shortcode icône. Si vous n'avez pas mis, il ne va pas générer le fichier icône là-bas pour mettre dans le fichier manifeste qu'il va générer. Donc, tout ça là, c'est important. Donc, quand vous écrivez le code là, assurez-vous d'écrire vraiment du code, genre du code côtoie. N'oubliez pas les balises. Les balises, c'est vraiment important, surtout en HTML, si vous voulez respecter les normes du web. Mais si vous voulez, on peut faire un test ici avec ce code là de DSN Sites. Et développer moi-même. Si on fait par exemple un test avec des performances, on va lancer le test. On va revenir après. Ok, donc j'étais ici. Donc on devait faire la démonstration. Hein. Donc on doit juste générer. Oups. On doit juste générer. Pas générer plutôt, mais lancer ce fichier-là avec PowerShell. Donc on va lancer notre PowerShell. Donc, PowerShell. Voilà, donc on va exécuter. On va exécuter ici. Il y a beaucoup de. L'environnement PowerShell. Donc, ça, c'est parce que c'est un truc qui est Windows. Hein. Donc, vous pouvez mettre votre script. Il y a deux manières de le faire. Soit vous mettez votre script ici, puis vous exécutez. Soit vous mettez le lien du script. Maintenant, on ne va pas aller le mettre ça, c'est un peu truc. C'est un peu plus poussé. C'est pour les administrateurs professionnels. On n'est pas là pour aller jusqu'à ce niveau-là. C'est trop parti. Donc, on va juste venir ici. On va prendre, vous voyez, le lien. Je prends le lien ici qui vient vers mon fichier. Je copie. Je viens dans PowerShell. Non, je ferme ce PowerShell là. Je n'en ai pas besoin. Je vais prendre le PowerShell.
Et je pars pour un petit truc comme ça, je vais lancer page PowerShell administration. Je n'ai pas encore arrivé là-bas. Donc, vous lancez juste votre PowerShell, vous mettez le lien qui fait votre fichier. Donc, le fichier, je prends le nom. Je prends le nom du fichier. Je mets où est le slash. Alors, on dirait que PS. Non, vous mettez l'extension du fichier. Voilà, PS1. PS1, ça va se mettre. Et voilà. Ah bon, vous voyez, normalement, ça va exécuter parce qu'il y a, il y a une erreur dans le code qui est généré. J'avais fait part de ça au gars de Microsoft la dernière fois, mais on dirait qu'ils n'ont pas réglé. J'ai même écrit un article dessus ici. Si vous rencontrez ce genre d'erreur, j'ai écrit un article dessus ici. Oh non, pas ça. Je vais voir dans mes histoires. Voilà, j'ai écrit un article dessus. On dirait que les gars de Microsoft n'ont toujours pas réglé le problème. C'est ça ici, d'ailleurs, c'est le dernier article que j'ai écrit. Vous pouvez visiter, j'ai écrit souvent des articles, mais bon, depuis un moment, je suis au ralenti. Sinon, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai répété, répété, répété. Tout ça, c'est ici. Donc, vous voyez, quand j'ai exécuté, ça a mis ça. Quand vous voyez ça, ça veut dire que ça va passer. C'est un problème qui est au niveau du manifeste, en fait. Donc, vous allez, il y a, vous voyez ici, vous allez aller mettre le lien absolu au niveau. C'est donc, vous ouvrez le fichier là, le fichier. Donc, vous ouvrez ce fichier-là. Je préfère utiliser Visual Studio Code parce que bloc-notes, je ne vais rien voir dedans. Donc, vous voyez ici le lien là. Donc, vous devez mettre le lien absolu qu'on a appris tout à l'heure. C'est-à-dire le lien absolu qui mène vers le fichier. C'est pas pourquoi ça fait ça. J'avais parlé de ça au gars de Microsoft la dernière fois. Ils n'ont pas pris ça en compte. Peut-être que je vais le rappeler encore. Ok, voilà. Donc, je fais mon fichier maintenant. Et puis, j'exécute à nouveau. PowerShell. J'exécute à nouveau. Vous voyez, contrairement à l'autre, vous voyez ce que ça fait. Ça a installé mon application comme une application Windows. Bon, vous voyez, non. Tout le monde fait des erreurs. Donc, les gars de Microsoft, on dirait qu'ils n'ont toujours pas corrigé l'erreur. Bon, je ne vais pas laisser aller ça deux fois. Voilà, vous voyez ici, il y a quelque chose qui est venu ici, là. PWA-UNT. Vous voyez, non? Donc, il y a augmenté la différence des deux. Ça, c'est celui qui est généré avec, ce qui a été généré, je vais mettre ça de côté, avec mon navigateur. C'est-à-dire, je suis allé sur le site web, j'ai vu le bouton, comme vous pouvez le voir ici. J'ai vu, bon, voilà, j'ai vu ce bouton-là. Bon, je ne suis pas resté, il n'a pas fait. J'ai vu ce bouton-là. Puis j'ai cliqué sur installer, c'est ça qui donne ça là, ce que vous voyez à, ce, à ma droite. Maintenant, il y a celui qui est généré, qu'on a installé tout à l'heure, on a généré puis on a installé tout à l'heure. Donc il y a ça qui est là. Ok. Il y a ça, ouais, ça, voilà. Ça, c'est celui qui a été généré. Regardez bien la différence entre les deux. Vous voyez, les deux, ils ne ressemblent pas du tout. Par exemple, ici, là, ici, vous voyez les trois points que vous voyez ici, là, où on affiche les détails de l'application, les trucs du genre. Il n'y a pas ça ici. Et puis, si par exemple, je vais sur une autre page de mon site web, vous voyez, quand je vais sur une autre page de mon site web, il y a le bouton là qui s'affiche. Voilà, ça, voilà. Quand je vais sur une autre page de mon site web, vous voyez, il y a le bouton retour qui s'affiche, comme exactement dans les applications Windows. Ouais, donc lui, il fonctionne correctement comme une application. Il n'y a pas de bouton ici pour dire que déjà c'est relié à un navigateur, quoi. Comme ici où il y a le bouton. Ouais, ça vient depuis le navigateur web. Donc ça utilise les performances. Lui, par contre, il utilise les performances du navigateur web. Donc c'est avec le navigateur web que lui fonctionne. S'il n'y a pas de navigateur web, il ne peut pas fonctionner. Par contre, lui, sans navigateur web, il fonctionne. Et puis, il fonctionne comme les applications Windows. Si c'est que vous avez généré l'APK pour Android, ça va faire la même chose pour Android.
Donc ici, vous voyez, donc quand je viens sur une page, pour revenir en arrière, il y a un bouton qui est là, donc je peux cliquer derrière, je reviens en arrière. Ici, il n'y a pas de bouton. Si je viens, par exemple, sur une autre page, je peux vous montrer. Vous voyez, c'est comme un site web, vous voyez, ça fonctionne comme un site web, exactement. Après tout, c'est un site web. Maintenant, ici, quand je vais ailleurs, par exemple, vous voyez, il y a un bouton qui s'affiche. Je n'ai pas choisi les autres parties parce que c'est, comment on appelle ça même, le site, vous voyez, le contenu est toujours sur la même page. De toute façon, si je fais, ça vient aussi, je reviens en arrière, je reviens en arrière. C'est ça la différence. Donc, j'aime vraiment mettre là, ça c'est parce que, bon, le contenu, ça là, c'est sur la même page. Sinon, quand vous quittez la page pour une autre page, il y a le bouton qui s'affiche comme je fais ici, vous voyez. C'est différent de ma page d'accueil. Il y a le bouton qui s'affiche ici en haut. Or, ici, il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton qui s'affiche. Donc, ça provient du navigateur. Sans le navigateur, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est vraiment natif. Et puis, vous voyez la couleur du haut ici. De même que l'icône ici, vous allez voir que ça a mis un truc bizarre ici. Là, vous pouvez changer tout ça. C'est dans le code ici. N'ayez pas peur. Ici, c'est dans le code. Je vais ouvrir le fichier là pour vous. Voilà. C'est dans ce code-là. Appliquer manifeste. Voilà, le fichier app manifeste qui est ici là. C'est ici que vous pouvez modifier tout ça. Vous voyez ici, vous venez ici, vous pouvez modifier tout. Hein. Vous pouvez modifier. Voilà, vous voyez ici, par exemple, le logo que vous avez vu ici qui est affiché sur Windows là, comme application Windows là. C'est ce logo là. Ce n'est rien d'autre que ce logo là. Et l'image qui vous voyez, ils ont mis le lien ici. Donc, c'est l'image celle-là là. Je vais faire ça, vous allez voir. Donc, c'est l'image là qui a été utilisée comme logo ici. Donc, si je veux, par exemple, hein, l'image, par exemple, de comment on appelle ça, de DSN, si vous voulez changer l'image, donc je change juste l'URL ici seulement. Et puis, c'est bon. Il n'y a pas que ça, hein, il y a la taille de l'image. Donc, vous devez avoir une image 144 fois 44. Puis, c'est bon, vous avez les deux là, vous mettez là, puis vous générez avec l'image. Maintenant, il y a aussi la couleur. Tout à l'heure, vous allez voir que la couleur dans tête là, c'était noir. Bon, on dirait que c'est universel, mais même quand la dernière fois, quand j'ai fait pour Pélivia, ça m'a sorti noir. Donc, le moment, on ne peut pas modifier cette couleur là. Sinon, c'est ici que vous allez modifier les informations relatives à votre application. Ici, vous voyez, vous pouvez modifier la langue. Donc, il y a d'autres choses que vous pouvez modifier si vous voulez. Donc, c'est ça. On vient de voir PWA Builder, comment ça fonctionne. On va vous montrer un peu la différence entre le PWA. C'est ça vraiment l'objectif. L'objectif même de PWA. Donc, je crois qu'on est bon. Je vais vous envoyer le lien du deuxième truc au cas où vous allez vouloir générer pour tester. Donc, sur mon Medium, mon compte Medium. Je crois que c'est bon. C'est bon. Il y a des questions? J'attends maintenant les questions ou bien s'il y a des trucs sur lesquels je dois revenir. Questions? On est à la fin, hein? Questions. Je crois qu'on a plus duré même. Questions. On a commencé à quelle heure même? 16h30. Hein? C'est 18h. Pardon, on a fait 1h30. 16h30? Pas 17h? 16h30. Comment? On a commencé à 16h30. Donc il est 19h. Oh, on a fait 9h. C'est environ 2h. Oh, mais c'est tout à fait normal parce que je suis parti PDVA avant de venir du PDVA Builder. Moi, je voudrais vraiment parler du PDVA Builder. Si on ne connaît pas PDVA, on ne peut pas faire PDVA Builder. Donc j'ai oublié de tout faire. Bon, est-ce qu'il y a des questions? C'est ça. Maintenant, il y a le temps pour questionner. Pour l'instant, ça va. Oui, je peux la partie PWA. Oui. Je pense que je ne peux la partie PWA. Donc, si tu peux faire un récap rapidement. Ah, oui, elle arrive à la PWA. Comment? Et moi, on a l'habitude de dire qu'il a retardé en temps. Hein.
Donc, vous voulez que je... Bon, de faire un résumé, quoi. Bon, on a dit que les PWA, c'était des applications web progressives. Applications web progressives. Donc, l'objectif, c'était de permettre au site web d'utiliser les mêmes fonctionnalités que les applications natives. Donc, vous avez un site web qui a les mêmes capacités que les applications natives. C'est à ça que c'est les PWA. C'est ça l'objectif. Maintenant, pour y arriver, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, comme il y a plusieurs appareils, il y a les ordinateurs, les tablettes, les Android et tout ça, il y a iOS, il y a Windows, tout ça. Donc, il y a plusieurs plateformes. Donc, pour que ces applications utilisent les mêmes et utilisent à fond, hein, je ne vais pas dire les fonctionnalités natives hein, de ces plateformes-là, il faudrait déjà hein, qu'ils arrivent à utiliser les API. C'est avec les API qu'ils communiquent avec ces fonctionnalités-là. Donc, pour y arriver, on a besoin d'un manifeste et d'un service worker. Pour faire un PWA, on a besoin d'un manifeste et d'un service worker. C'est ce qui a été dit. Donc, on a vu les manifestes, hein, comme vous pouvez le voir ici. Ouais, le manifeste que j'ai montré tout à l'heure, ça c'est un exemple de manifeste que j'ai montré. Puis j'ai expliqué détail par détail à quoi c'est chaque élément du manifeste. Maintenant, comme vous n'étiez pas là, je vais vous envoyer un lien. Je vais vous envoyer un lien de. Il y a manifeste. Comment on appelle le site là? Il y a WebDev qui a ça, mais j'aurais préféré mettre pour. Est-ce qu'ils ont bien détaillé? Bon, je vais vous donner. Désolé, mon appareil s'était éteint. Hein. Quoi? Mon appareil s'était éteint en tout temps. J'étais un peu déchargé. Ah, ok. Et sur tout ce qu'on a dit, le lien que je viens de vous envoyer là, on contient tout ce qui a été dit, ça se trouve dans ce lien là. Tout. Ok. Tout ce qui a été dit là-bas. Donc, si vous allez là-bas, vous allez là. Tout ce qui concerne le fichier manifeste là, tout ce que vous devez savoir, c'est là-bas. Ouais, je viens d'envoyer le lien. Tout se trouve là-bas. Donc, quand vous allez dans web.dev, add, manifeste, tout c'est là-bas. Ils ont défini chaque chose. Là, je ne sais pas s'ils ont pris en compte tout ce qu'il y a comme détail à voir. Par exemple, il y a des trucs qui ne sont pas là, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé de Related Application qui n'est pas là. Bon, ça, c'est des trucs qui ne sont pas là-bas. Par exemple, div ou définir. La manière, hein, la direction de l'écriture. Les Arabes n'écrivent pas de la même manière que nous. Si c'est de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, c'est à ça que c'est utile. Il y a ça aussi pour choisir ce que vous préférez. Si vous préférez la plateforme web à l'application Android ou de l'application Windows, c'est là que vous allez définir ça comme ça. Si par exemple vous préférez l'application Android, si l'utilisateur et sur le site web, utilise le PWA du site web, on va lui envoyer un message, une notification de lui qui dit l'utilisateur et le propriétaire de l'application préfère que vous utilisez Android, par exemple. Donc, c'est ici, ça définit tout cela. Donc, c'est de ça on a parlé. Donc, je vous envoie un lien pour aller en détail pour le manifeste. Maintenant, on a aussi vu PWA. Je viens ici, PWA, le générateur de fichiers manifestes pour PWA en ligne, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tout, hein, il n'y avait pas tout dedans, ils n'ont pas tout mis dans le générateur. Il y a beaucoup de détails, par exemple les shortcodes, tout ça, ils n'ont pas mis à l'intérieur de ça. Donc, on avait vu aussi les service workers. Donc, je vous envoie le lien, on envoie le lien. Sinon, tout ce que j'ai été dit se trouve dans l'article. Dans les deux articles que j'ai écrits, il y a un peu un bon moment et qui est utilisé par Microsoft. Le premier article que j'ai écrit, c'est-à-dire celui-là, les gars de Microsoft, ils l'utilisent.
ça fait partie des ressources quand tu veux apprendre et tu veux apprendre. Ok, donc je vous envoie le lien. Maintenant, je voulais revenir ici pour le retardataire. Donc, ici, on avait vu que PNVA utilise Workboss. Donc, si vous connaissez déjà Workboss, si vous utilisez Workboss, là, c'est bien. Si vous êtes développeur, moi, je vous conseille plus d'utiliser Workboss pour écrire genre, votre fichier swj.js, c'est-à-dire votre fichier de Service Worker. Service Worker, c'est le serveur local. C'est-à-dire, c'est un serveur qui est intégré au navigateur, qui reçoit les requêtes, qui, en fonction de ça, envoie si c'est le choisi, si c'est le navigateur, si c'est votre serveur web qui doit envoyer la réponse, ou bien si c'est la mémoire cache, tout cela. Donc, c'est ça un peu le service worker. Maintenant, ça, c'est le contenu du service worker. C'est ici on définit hein, ce qu'il doit faire. Ici, c'est pour dire que la page est en ligne. Ici, c'est pour dire qu'on fait une copie de la page qu'on stocke dans le cache, qu'on peut utiliser en ligne. Ici, c'est la combinaison des deux. Donc, on a l'accès à la page en ligne. Puis aussi, on peut aussi avoir une copie de la page au cas où. Maintenant, ici, on a vu cache first. C'est-à-dire quoi? Il charge d'abord le contenu du cache. Donc, quand quelqu'un va chercher quelque chose, là, il va d'abord vérifier dans le cache. Tout ce qu'il y a dans le cache, là, il va d'abord chercher. S'il laisse les fichiers du cache, là, il vous sort ça. Il va utiliser pour afficher le contenu à l'utilisateur. Maintenant, s'il ne voit pas le fichier dans le cache, il va aller sur Internet chercher. Je crois que c'est à cause de ça, ils ont mis Cache First Network. C'est pour signaler que quand il va dans le cache, il va dans le cache en première position. S'il ne trouve pas, il va sur Internet pour chercher pour revenir. Ils n'ont pas bien détaillé ça ici, mais je pense que c'est ça. Sinon, normalement, il y a aussi le Cache First il y a le Cache Online plutôt qui est différent du Cache First. Donc, c'est à ça que c'est cette stratégie, par exemple. Vous voyez, le code est déjà là. Donc, vous prenez juste, vous mettez ça dans votre site. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont mis ici. Ça, c'est ce que vous mettez dans PWA Builder SW.js. Ce qui est en bas là, c'est ce que vous mettez dans le. Vous allez mettre ça dans un script, dans votre fichier HTML. Donc, dans votre fichier HTML, vous allez mettre ça là dans votre script. Avant, c'était un script qui était ici, mais ici, ils ont changé et puis ils ont donné les détails. Ce qui est sûr, quand vous allez lire, vous allez voir. C'est pas compliqué. C'est ça là, ça reste dans votre. Ce qui est en bas là, c'est dans votre HTML. Ce qui est en haut, c'est dans le fichier pnvabuilder.js. Ici, c'est avancé, c'est plus avancé. Donc ici, ils ont carrément choisi les types de fichiers à stocker en cache, HTML, JavaScript, CSS, images, font. Ils ont défini des constantes. Si vous utilisez déjà Workboss ou bien vous faites du JavaScript, ça ce n'est pas un secret pour vous. Donc vous pouvez lire tout ce qu'ils ont mis là. Ici par exemple, c'est juste pour dire on stocke les fichiers HTML dans notre cache avec la stratégie Network First. Donc, comme on sait que les fichiers HTML ça ne pèse pas, donc ils ont préféré genre quand l'utilisateur va venir là, il faut aller chercher ça d'abord sur Internet. Tout ce qui est fichier HTML là, c'est sur Internet d'abord. Si on ne trouve pas sur Internet maintenant, on peut aller chercher dans les caches. Donc, ils ont mis, ça expire, genre les conditions d'expiration, maximum 10 fichiers, hein, maximum 10 fichiers HTML. Si par exemple, vous êtes développeur, vous comprenez comme moi, vous pouvez modifier tout ça, vous pouvez encore ajouter d'autres paramètres. Donc, comme je dis souvent, ça, c'est pour les gens qui ne sont pas développeurs. Si tu es développeur, c'est mieux, tu vas aller prendre Workboss, tu finis de faire ton truc, tu fais ton manifeste, ton fichier SW.js, tu finis tout ça. Après ça, maintenant, tu viens utiliser maintenant la puissance de PWA Builder pour faire tout ce qui est ici. Tu génères l'APK, tu génères pour Windows, tu génères pour Samsung, tu génères pour macOS et tout. Maintenant, si c'est pour générer, c'est à cause de ça, je n'ai pas parlé de la partie qui est en haut là. La partie qui est en haut, c'est si tu n'as rien fait, puis tu viens ici, puis ils vont te sortir le manifeste, puis le service worker. Donc, je me dis qu'on est en développeur. Ton manifeste là, c'est nous-mêmes en fait. Service worker là, c'est nous-mêmes en fait. Maintenant, on va venir utiliser les quatre outils qui sont ici pour générer seulement les APK en fonction des plateformes. Donc, je reviens ici. Je vais essayer de vous expliquer ce code-là. Donc, comme vous pouvez le voir, Network First va d'abord chercher sur le réseau. Si toutefois, il revient dans le cache.
ainsi de suite. Et puis ici, maximum 10 fichiers. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez modifier et ajouter d'autres choses. Vous pouvez modifier. Ça, c'est si vous avez la main, vous connaissez le code qui est là. Par exemple, moi, je peux modifier. Je peux ajouter, par exemple, la durée de stockage. J'ai stocké moi ça pendant 15 jours maximum. Après 15 jours, il efface les données puis il va chercher encore en ligne. Les gens pour voir s'il n'y a pas une nouvelle version qui est là. Oui, c'est pas qu'il efface, il va chercher en ligne s'il n'y a pas une nouvelle version. S'il n'y a pas une nouvelle version, il continue son chemin. Donc, c'est ça qui est là. Ici, ici par exemple, ils ont utilisé une autre méthode, le still while validate, par exemple. Ça, c'est une méthode qui dit va chercher le fichier à la fois sur Internet et dans le cache. Donc, quand tu envoies la requête au service worker, vu que ici on a défini la méthode state while revalidate, lui, qu'est-ce qu'il fait en fait? Lui, il va chercher, donc il va dire OK, la méthode là dit quoi? On va sur Internet vous chercher. Donc, j'avais expliqué tout ça au début, hein, avec les images ici. Donc, ça, c'est la méthode qu'ils ont utilisée là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand le service worker reçoit, donc ça, c'est le service worker qui est ici. Donc, quand lui reçoit, par exemple, le message, on lui dit, utilise cette méthode. Donc, la méthode dit quoi? Il dit, va à la fois sur Internet et dans la mémoire cache pour chercher le fichier. Celui qui arrive en premier, c'est ça qui va servir à l'utilisateur. Donc, c'est cette méthode qui a été utilisée ici, par exemple. Donc, pour les fichiers JavaScript, c'est ça, ils ont pris. Ils font les fichiers JavaScript. Par exemple, pour les fichiers CSS, ils ont utilisé la même méthode, par exemple, va chercher à la fois sur Internet et puis sur, dans le cache. Moi, je pense que c'est une très bonne idée pour les fichiers JS et puis CSS de l'utiliser. Par exemple, souvent, on peut modifier les fichiers CSS et JavaScript. HTML, c'est récurrent. Maintenant, ici, pour les images, moi, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Mais vu que ça fait les deux à la fois, c'est bon. Sinon, vu que, bon, c'est rare de voir qu'on modifie les images. Bon, les images concernant une page. C'est rare de voir. Sinon, si c'est une nouvelle page, il y aura d'autres images là-dessus. Donc, il va stocker. Sinon, c'est une page où tu as déjà visité, puis il y a tout. Si c'est un blog, par exemple, on modifie. C'est très rare de voir. On a mis des photos, genre, pour un blog, par exemple, pour un article, puis après, on modifie les photos. C'est très rare de voir. Donc, je me dis peut-être, tu vas chercher d'abord dans le cache. Si tu ne trouves pas, tu vas sur Internet. Mais ici, il préfère faire les deux en même temps. Vous voyez, quand j'ai mis dessus, j'ai mis quoi? Any. Donc, il fait plusieurs choses. Il fait les deux en même temps. Ici, par exemple, ici, pour le HTML, c'est carrément le réseau. Bon, ils ont mis Any. C'est pas grave. Mais ici, carrément, c'est le réseau. Donc, il va d'abord sur Internet, même chercher. S'il n'a pas trouvé, il vient dans le cache. Donc, c'est Internet qui est la première chose que lui va chercher. Ici, il va les faire les deux à la fois. Donc, c'est la même chose ici pour les fichiers de fond. Maintenant, après ça, il y a quelle stratégie encore? Donc, comme je disais, si vous mettez Workbox, vous utilisez Workbox, vous n'avez pas besoin de venir ici pour copier. Donc, vous écrivez tout ça là-bas vous-même. Background, c'est pour synchroniser les fichiers en arrière-plan. C'est-à-dire quoi? Ici, on dit chaque 24 heures, il synchronise les fichiers. C'est-à-dire, il vérifie chaque 24 heures. Comment je vais appeler ça? S'il n'y a pas de nouveau fichiers qui ont été ajoutés, mais s'il n'y a pas eu des modifications sur les serveurs. S'il y a des modifications, lui-même, il va et puis chercher les nouveaux fichiers là et puis il vient stocker ça dans le cache. Mais cela, même vous n'allez même pas savoir. Même. Une fois que votre connexion est activée, là, ça se passe en arrière-plan. Lui, il vérifie chaque 24 heures si les fichiers sont à jour. Si ce n'est pas à jour, il va chercher la nouvelle version du fichier et puis il met ça là. Et c'est ça qui est bon avec les PWA. Les PWA, tu n'as pas besoin d'aller dans Google Play Store ou bien Windows Store pour dire que tu es en train de faire une mise à jour. La mise à jour, ça se passe en arrière-plan. C'est synchrone. Et puis quand ça a fini, ça t'envoie un message pour te dire j'ai fait une mise à jour. Pas même si c'est pas comment faire la mise à jour. Maintenant, ici, ça, c'est pour stocker les fichiers multimédia hein, dans le cache, c'est tout. Ici, ils ont préféré, vous voyez ici, comme les fichiers, tout ce qui est vidéo, ils ont vu que c'est lourd. Ouais, c'est les fichiers MP4 qui sont en train de stocker là. Et donc, ils ont choisi carrément. Cache first. Donc, la première des choses à faire quand il veut faire ça, là, il va d'abord chercher l'information dans la mémoire cache. Donc, c'est dans la mémoire cache, il va chercher tout ce qui est fichier MP4. Parce que même ils savent que ça pèse. S'il doit aller chercher, s'il doit faire les deux à la fois, et même ils savent, il n'y a rien à faire. Le réseau, c'est-à-dire s'il va chercher sur le serveur, ça prend plus de temps quand il va chercher dans le cache.
C'est à cause de ça qu'ils ont mis ça. Donc, il faut savoir vraiment utiliser les stratégies. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre site web. Si vous êtes développeur, ce n'est pas bon de venir copier ici, lui, de mettre. Mais c'est bon de développer vous-même à la main. Là, vous écrivez vous-même. C'est vous-même vous écrivez. Donc, vous savez ce que vous faites. Vous savez, bon, vous pouvez même ici, même là, ici, ils ont pris tous les fichiers MP4. Sinon, je vous ai donné des sites web du PWA Builder. Vous pouvez aller là-bas pour aller approfondir. Bon, je ne suis plus là. Sinon, vous pouvez aller là-bas approfondir. Là-bas, ils vont vous dire comment faire, par exemple, pour stocker spécialement un fichier. Donc, tu peux prendre cette, tu peux dire, par exemple, cache first là, ou bien cette stratégie-là. J'ai appris ça à un seul fichier de mon site web. Un seul fichier. Donc, tu peux faire un fichier par fichier. Si tu veux, tu peux regrouper, par exemple, les fichiers HTML, tu appliques la même stratégie. Si tu veux appliquer une stratégie spéciale à un fichier donné, tu peux le faire. Hein? Tout ça, il faut faire, comment on appelle ça même, Workboss. Il hein? faut être un adepte de Workboss. Hein? Bon, je ne dirais pas que je suis adepte, mais bon, c'est ça, j'utilise tout le temps. Hein? Bon, on peut dire que je suis un adepte. Bon, d'ailleurs, même, je suis un grand défenseur de ça. C'est mon outil préféré pour faire du PWA. Avec PWA Builder, quand il s'agit de générer pour les autres plateformes, oh, c'est le meilleur. Mais quand il s'agit de construire, moi, je préfère faire moi-même avec Workboss. De toute façon, eux-mêmes, ils utilisent la même chose que moi pour faire. Donc, pourquoi ne pas aller à la source? Donc, voilà un peu, on a parcouru tout. J'espère que c'est bon. Et c'est bon, maintenant, on peut finir, clôturer. Parce que je suis à côté d'une église, donc on commence par faire du bruit. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux fermer? Je peux clore la séance? Allô, monsieur Wilfried? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Tout est bon? Ouais. J'ai reçu, donc, j'ai vu. Je vais pas vous dire les liens, tout ça. Bon, est-ce que vous pouvez dire un peu ce que vous avez appris? Donc, est-ce que vous pouvez faire vous-même votre propre PWA? Mon propre PWA, ouais. Ok, super. Donc, si vous pouvez le faire, c'est l'important. Hein, parce que, bon. C'est ça le plus important. Oui. Ah, c'est ça même qui est le plus important. Donc,